Bonsoir, et c'est le retour du Joligard Show après 3 semaines d'absence et enfin une victoire du Castres Olympique avec Julien Joligard. Allez, bonsoir tout le monde. Bah écoutez, voilà, 28-26. Je pense que c'est une victoire compliquée, voilà, mais on va revenir dessus. Vous voyez que ce soir on est nombreux autour de la table, donc on va commencer par les présentations. Le rugby est aussi une histoire de femmes et c'est sûrement une des seules qui s'y connaît si bien. Sa présence adoucit cette cohue masculine. On ne lui tiendra pas rigueur de ne pas suivre Movember. Merci d'être avec nous, Isabelle Costa. Bravo. Il aurait pu incarner le rôle de Scar dans Le Roi Lion ou encore de Jafar dans Aladdin. Dans chaque film, il faut un méchant et ce rôle lui colle à la peau. Il se sociabilise, il faut le dire, tellement qu'en ce moment, sa meilleure amie est une sonnette. La hyène de Radio Olympique TV, Thomas Segui, qui était la production et la réalisation. Tout dit quoi. Grand adepte du micro-casque, mais ça j'insiste. Hein. Il insiste aussi, lui, sur le nombre de thés présents dans son nom de famille. La mélonite lui a été injustement attribuée, même si c'est vrai qu'il rentre il ne rentre plus sa tête dans un chapeau de taille 128. Il nous fait plaisir d'être avec nous, c'est Alexandre Calamari. Vous connaissez tous Véronique et Davina, ils forment un duo de choc que tout l'Amélie s'arrache. On peut même dire qu'avec eux, le quartier s'enflamme dès qu'ils apparaissent en public. Deux, ils font le poids d'une de mes jambes. Dans l'analyse, l'un s'enflamme vite, l'autre beaucoup plus modéré. La France se les arrache, mais ils préfèrent être au Joligard Show avec nous. C'est Thomas Courtois et Wesley Vandenbosch. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui nos amis de Puissance 15. Bon, même si pour moi ça ressemble à une réunion de famille, une présence féminine à la tête d'un groupe de supporters. Waouh, c'est une révolution, surtout à 4. Révélation. Je me demande même si c'est pas un coup monté de Madame Chiappa, ça. Mais bon, c'est pas grave. Accompagné par ma digne descendance qui fait partie de cette génération qui à 12 ans dépasse déjà son père. Merci pour votre présence, Aurélie Huertani et Kevin Joligard. Oh, on va pouvoir lancer le jingle. Débrief. Oui, le temps que je le trouve, merci. Allez, bâtard. Allez, c'est parti. Allez, bah écoutez, voilà, on va rentrer dans le vif du dans sujet. Le vif du sujet. Ah, vif du sujet. Voilà, vivons-le. Hein. Alors, avant toute chose, est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, qu'on puisse avoir la composition d'équipe afin qu'on puisse... voir ensemble donc cette composition du Castres Olympique qui était alignée ce soir pour recevoir donc le CA Brive. C'est à l'écran. Allez, super. Donc, première ligne, Tichit, Rallier, Houk-Patin. Par rapport à la dernière composition face à Pau, Rallier faisait son retour en tant que titulaire. En deuxième ligne, Sanson, Jacquet, qui eux deux remplaçaient Jimeno et Nkinsi. En troisième ligne, Delaporte, Jelonge, qui retrouve un poste de troisième ligne, elle qui lui va beaucoup mieux que celui de numéro 8. Et Vaipoulou en numéro 8. Pour la charnière, une qu'on connaît très très bien à Castres, c'est Rory Cocotte et Benjamin Urdapileta. En paire de centre, on a Vialel et Combezou. Aux ailes, Palis et Paris. Et derrière, Julien Dumora. À retenir sur cette composition, par rapport au dernier match, 10 changements. Alors, 10 changements, on avait... en considération le fait que les internationaux puissent revenir de la Coupe du Monde. Bon, là, on parle surtout pour Urda, Paris et Vaipoulou. Voilà. Sinon, quand même, on sent que sur la deuxième ligne, on a misé sur l'expérience avec Sanson et Jacquet. Jacquet qui fait son retour après plusieurs mois d'absence suite à sa grave blessure. Voilà. Au paire de centre, on avait deux gros solides. Hein. On va parler de Vialel et Combezou qui, dans le combat, sont quand même assez exemplaires. La paire de demi donc entre Rory et Benjamin qui faisait son retour lui aussi. Voilà, un peu décevant pour un retour, mais je pense qu'il va falloir qu'on en parle aussi. On est dans, il arrive dans une équipe qui ne va pas très très bien. Il a le décalage horaire encore. Oui, ça doit être ça. Après, on avait donc Paris qui intégrait à l'aile et qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, même si c'est vrai que le pauvre... Je trouve que ce que fait Paris sur un terrain de rugby, malheureusement, ça ne reflète pas ce qui représente vraiment le joueur de qualité qu'il puisse être. Et puis derrière, Jules Dumora. Donc voilà. Donc, pour revenir sur ce match, une première mi-temps qui est plutôt positive. Pour moi, enfin de mon côté, d'ailleurs on va commencer par
remercier France Bleu et Occitanie et incriminer un petit peu Canal Plus qui ne nous a pas permis en fait de pouvoir suivre le match. Donc on a suivi c'est Rugby Plus, hein. Oui, voilà, c'est Rugby Plus. Oui, ah, mais Canal Plus Sport, Canal Plus Sport, ils nous ont passé 10 minutes du match entre Castres et Brive, alors qu'ils nous ont bassiné avec des actions, des non-jeux entre. C'est ça d'être mal classé. On n'est pas encore dans le coup de gueule. Non mais bravo France Bleu Occitanie, bon commentaire et tout, on a vu ça en direct. Ok, donc on n'a pas entendu les mêmes. C'est pas grave. Pourquoi il y avait des pros Il était pro-briviste celui-là. Mais non, mais il faut le dire, il faut le reconnaître. Donc voilà, mais pour moi c'est une victoire. Ben voilà, c'est, on va dire que c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a un vrai malaise dans cette équipe. Pour revenir un petit peu, avant de parler du match en lui-même, on va peut-être reparler un petit peu de comment on est arrivé à ce match-là, c'est-à-dire qu'on avait 3 semaines d'arrêt. C'est compliqué pour une équipe de rugby professionnel de pouvoir rester 3 semaines au contact de, justement du top 14 sans avoir de confrontation directe, en ayant le retour des internationaux et devoir préparer ces matchs-là. Donc, et des problèmes de staff Ouais, on cherche d'un entraîneur. C'est pour ça que j'aime Zaza. On rentre dans le vif du sujet. Allez, action. Là où il faut être honnête, on essaye de soigner les mots et ce qui nous arrive. En fait, on essaye d'un petit peu colmater les brèches à gauche à droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, voilà, malheureusement, qu'au niveau du staff, Monsieur Furet ne pouvait pas assurer toutes les responsabilités qui lui ont été attribuées en début de saison. Il a trop de travail, le pauvre. Ouais, ça peut être ça, voilà. Mais dans le principe, on n'est pas loin. C'est vrai qu'en fait, on lui a retiré tout ce qui était technique de défense, c'est-à-dire de la vidéo jusqu'à la mise en place, puisque c'est ça aussi la défense, c'est travailler sur les vidéos. Donc voilà, c'est Mauricio qui a repris ça. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il s'occupe de la touche et de la mêlée. On a vu quoi aujourd'hui? Je crois qu'on a vu le première même match. Première mêlée, on s'est fait défoncer. En touche, on a été très très bon. Et en contre. C'était très compliqué. Exceptionnel. Hein. Non, mais attends, les mecs, arrêtez. Alors, donc, on se rend compte vraiment qu'il y a un problème. Il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la chance qu'on puisse avoir dans cette équipe, c'est qu'on a encore des mecs qui tiennent la dragée haute et qui sont de loin des éléments moteurs. On en parlera plus tard, mais Cambezou est un leader. C'est un leader, Cambezou. Mais je pense qu'on en manque quand même. Il manque vraiment un vrai leader qui t'appuie sur la table. Pour avoir été au stade, il y a quand même un problème. On prend le dernier essai briviste là, et tous les mecs qui sont alignés, il n'y a pas un mec qui vient réunir tout le monde pour se dire putain, vous jouez. C'est ce qu'on disait depuis. Après, j'ai envie de te dire, voilà, on avait mis Mathieu Babillot. Ça nous fait très mal, capitaine. Et malheureusement, on l'a perdu très rapidement dans la saison. Et qui reviendra en début janvier en principe. Voilà, on a Baptiste qui doit assurer l'intérim, si je peux m'octroyer le mot, mais je pense qu'il n'y arrive pas. Je pense que c'est pas la responsabilité d'un bonhomme sur ce qu'on se passe. Il y a les mecs, ils sont tous alignés un par un, il n'y a pas les mecs qui viennent resserrer tout le monde et putain, mais on se bouge le cul, on va gagner ce match. Chose que faisait Capo. Rodrigo, il aurait resserré tout le monde. Depuis le début de la saison, on l'a dit qu'il manquait leader. Le problème, c'est que s'il y a des plans entre joueurs, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ça, c'est pas le but. Qu'est-ce que vous en pensez côté supporter? Nous, le dernier essai, juste devant nous, pour Brive, on a vu Baptiste de la Porte s'énerver un petit peu. Et après, il n'y a pas de gueuler. À juste titre. Voilà, partir à gauche. Si, et après nous, on a juste vu Rado un peu. Ouais, voilà, Rado qui est là, troupes, mais bon, c'est compliqué. Il y avait un groupe de 5-6 personnes. Ouais, et bon, on voyait Rado un petit peu. On peut citer la seule image qu'on ait pu voir aujourd'hui. Ouais. Moi, ce qui me plaît, c'est quand même le coup d'envoi. Alors, je sais que c'est pas drôle, mais on est mené. On parle de la dernière action. Moi, sur cette dernière action, je vois des mecs qui ont envie de dire on se réveille un peu tard, mais heureusement, oui et non. Tu joues à la maison quand même. Voilà. Ça, on est d'accord. Mais sur combien de coups d'envoi celui-là fait récupérer? Tu le récupères, c'est ça. Tu le récupères. C'est Girondeau qui se jette. Alors. Je ne sais comment, parce que les deux fois où il s'est jeté comme ça, on a eu en avant les derniers matchs. Mais là, il le récupère et derrière, on n'a pas perdu un ballon sur quasiment 10 temps de jeu.
Ouais. Après, c'est pas ça qui est positif. Ce que je voulais dire dans cette démarche-là, d'accord, ils se réunissent pas, ils parlent pas, même si c'est vrai, c'est ce qu'on aimerait voir. Ouais. Mais sur l'engagement, sur la dernière action, on a vu tout le monde, voilà. c'est vraiment optique, on essaie de récupérer le ballon. Bah, après, en parlant de leader, je pense que vous aurez le même avis que moi, mais on n'a pas vu vraiment quelqu'un qui se démarque aujourd'hui. On en parlait avec Zaza avant de. On n'a pas vraiment un joueur aujourd'hui pour annoncer un nombre de matchs. Est-ce que le contexte c'est compliqué, hein. Est-ce que on n'a pas vraiment vu un joueur qui se démarque. Il y en a pas un qui est au-dessus du lot. Et celui qui est au-dessus du lot, pas tous en même temps. Est-ce que le contexte rechercher un entraîneur ne te pourrit pas l'équipe? De peut-être annoncer un Broncan qui doit arriver, qui ne vient pas, annoncer un autre entraîneur qui doit venir, qui ne vient toujours pas. Et on se demande, du coup, on fait du pilotage maison, on a des fonctions à purée. On tricote. Donc, est-ce que tout ça ne pourrit pas encore plus l'équipe? On a posé une question. Non, mais attendez, l'équipe, elle est habituée à ce genre d'infos non, et non, tout. Non, pas c'est la communication, le site internet et tout, c'est rien. Dans la situation, voilà, on est d'accord, pas dans la situation où tu es ou t'es pas. Non, ça fait longtemps que les joueurs font l'impasse sur les annonces qui se font sur des sites internet. On va reprendre les règles de bon fonctionnement. Le monsieur derrière la caméra, s'il veut parler, il sonne. Non, mais ta pauvre sonnette, elle a pris la poussière. Non, la sonnette, c'est pour les réactions en direct. Il y en a un paquet, il y en a tellement que je vais rien dire pour le moment. Non, là où il faut revenir quand même, ça fait quelques années maintenant, on va en parler en année, tu n'as pas eu ce genre de crise compliquée. C'est-à-dire que quand tu jouais le maintien, tu as gardé les mêmes personnes. Il y a l'affaire Ricciardo qui était venu pour sauver, mais pour un entraîneur démissionnaire depuis déjà plusieurs mois, donc il n'y avait rien eu. Ils ont eu un entraîneur alors qu'il n'y en avait pas, même quand il était là. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas vraiment. Là, on est en train de vivre quelque chose où on a mis des responsabilités à des gens, et c'est des personnes qui doivent remplir un rôle, qui doivent travailler sur des postes, et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Oui. On avait posé une question sur une des anciennes émissions en disant, est-ce qu'en faisant venir du monde ou est-ce qu'en parlant de justement remodeler un petit peu le staff, on ne décrédibilise pas ce qui se passe aujourd'hui? On était peut-être un petit peu en avance sur cette question et on s'est trompé en la posant un peu tôt. Mais déjà un peu tôt, on voyait ce qui se passait et c'était des bruits de couloir seulement. Ouais. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que tu as eu 3 semaines et qu'en 3 semaines, tu n'as rien. Tu n'as trouvé personne. À croire qu'il n'y a pas d'entraîneur sur le marché. Non, mais là, on parle de joueurs. Si, peut-être pas intéressé par le projet du Castres. Oui, mais c'est ce que je dis. Soit ils ne sont pas intéressés par le problème, ou soit le salaire qui est au-dessus de celui de Mauricio. Est-ce que financièrement, on n'est pas dans une situation ou aussi, il faut savoir, si on prend des départs de certains entraîneurs par le passé, c'est parce que financièrement, il n'y avait pas d'accompagnement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas payer qui et à quel prix? Voilà. Les mecs, ils savent très bien qu'on est dans une situation compliquée. Sur le marché, ils prennent une plus-value de 15 à 20% sur des salaires qui peuvent en venir à 30, 40 000 euros. Oui, mais est-ce qu'ils ne gagneraient pas plus que ton manager? Bah, bien sûr. Ben voilà, la question arrive là. Alors, parmi les nombreuses réactions, on a Marc Solo qui dit « Je suis d'accord avec le monsieur derrière la sonnette. Je ne crois pas que les remous par rapport au possible changement de staff affectent les joueurs. Ils sont des pros. » Non, mais t'as vu. Il n'a pas donné un seul commentaire avant. Et là, il y en a un qui est d'accord avec lui. Juste pour te dire. C'est exagère. Alors, Matt Solo, on t'a reconnu. On sait que t'es sa femme et que t'es au premier. On le sait. Il n'y a pas de problème. Pour une fois qu'il a raison, on va lui donner raison. Non, on va revenir. Déjà, je voulais juste te dire, il s'est touché les légumes quand il a lu son commentaire. Il était tellement content d'avoir quelqu'un qui donnait raison. Non, mais il faut le dire quand même. Parce que qui se passe sérieusement. Dans les rumeurs de la semaine, on avait quand même Joe Worsley qui ça peut être intéressant. Mais c'est pas normal que tu as eu 3 semaines de trêve, ouais, tu vas attaquer la Coupe d'Europe et t'as avec personne. Expliquez-moi. Moi, il y a juste quelque chose. Peut-être que le labo ne veut pas mettre d'argent, peut-être. On fait une cagnotte pour les Balkany, on va peut-être pouvoir arriver pour un entraîneur de la défense, mec. Elle est pas mal. C'est pas les entraîneurs qui font jouer. C'est les joueurs. C'est les entraîneurs qui coachent et qui font les séances vidéo. Est-ce que justement on n'est pas sur une habitude de joueurs qui sont
confiné. Ouais. Pas, c'est pas un confort. C'est que quand même, ici, la chance qu'on puisse avoir, la proximité et tout ce qui se passe autour du club famille qu'on veut défendre, c'est quand même une structure qui n'est pas habituée à ce genre de problème. Ah oui, c'est ça. On a eu que des problèmes de luxe depuis quelques années, c'est-à-dire à gérer la 6e place ou la qualification. Non, on a connu ça quand on avait le Renseigne. On est d'accord. Ouais, oui, ici, super. On leur enseigne le rugby. Oh, bravo, merci. Parce que d'habitude, c'est moi, mais. Non, mais si ça se trouve, ça sera la seule de la soirée en plus. Remets ton chapeau, t'as eu 128. Je vais me faire des copains. Non, allez, rentrons dans le vif du sujet. Franchement, s'il n'y avait pas une victoire ce soir du CO, est-ce que Ray Giardot est encore l'homme de la situation? Moi, je pense que ce soir, si le CASR olympique perd, il aurait dit il faut se poser la question, soit il arrêtait, ou soit il y avait peut-être quelque chose qui allait se tramer. Mais la fracture, elle est déjà depuis un moment. Ouais, oui. Le problème, c'est qu'il essaye de recoller. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, pour moi, sur cette première mi-temps, et je sais qu'il y a des gens autour de la table, moi, je me suis enflammé. Je me suis dit, c'est le match référence. Oui, contre Munich. Sur la première mi-temps, je me suis dit, ça, j'ai dit... Ça y est, on le tient notre match référence. Oui, mais t'as dit. Attention, avec le match référence, on parle du 9e du top 14 quand même. On parle d'un classement, on parle du développé du jeu. On parle quand même d'un classement où si tu gagnes deux matchs, tu peux te retrouver 4e. Oui. On était à portée de prendre 5 points aujourd'hui. Il faut aller à la mi-temps, t'as le bonus. J'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? Voilà, c'est ça. En deuxième mi-temps, il y a un problème, il y a eu. Il y a eu quoi à la mi-temps? Tout le long du match, c'est que c'est ce pauvre arbitre dès qu'il sifflait, il tremblait. Mais pourquoi il laisse terminer l'action et tu te demandes la vidéo après. Exactement. Putain, mais qu'est-ce que ça peut te foutre de laisser 5 minutes de plus? Non, mais c'est vrai. On va pas revenir sur l'arbitrage, c'est pas à cause de l'arbitrage. Non, on te dit que c'est au moment où l'arbitre siffle que l'équipe a déraillé et n'a plus joué. Ce fait de jeu, ça a fait tourner les têtes de tous les joueurs. Et ils ont tous déraillé à se partir à ce moment-là. Ouais, parce que là, sur cette analogie. Surtout injustement. Juste parce qu'on te voit à l'écran, on va saluer quand même Kevin Chavanne qui est venu pour la dernière émission et qui participe maintenant activement. Salut. Super. Kevin, tout allez, bravo. Il paraît que t'as marqué un essai encore la semaine dernière, c'est pas mal. Alors vas-y, tu peux lire ce qu'il dit, vas-y Thomas. Alors il nous dit, salut la team, ok, ne pas prendre des gens de club comme Diaz ou autre. Ah, il avait raison, il y revient. Ça défile tellement que ça réagit, je suis désolé. Pourquoi aller chercher ailleurs? Mais pour moi, ce soir, le CO a perdu. Putain, Brive en face, c'est pas Clermont. Revenons sur Ezgardo. Après, on passe. Je pense qu'il n'est pas conforté à quoi. On sait très bien que la semaine dernière, il y a eu un match entre joueurs. Attendez. Le premier choix de Ezgardo, le premier choix de Mauricio, c'est son staff. D'accord. Est-ce que c'est pas la première erreur? C'est pas Prosper qui gêne à Castres, c'est Furé, c'est devant, c'est Furé. Quand tu entraîneur de Fédéral 1, que tu es passé par Odès, que tu es passé à Tarbes et que tu te fais virer de Tarbes, et à Dax, c'était pas bon non plus. Bon. On va se faire des amis ce soir. Je m'en fous, je suis vrai. Je l'ai toujours dit, moi depuis le départ. Et quand on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est à la 10e journée, je pense, ou 10e, et qu'on a toujours des problèmes de défense, des problèmes de mêlée, des problèmes de touche. Après la défense, là, ça, j'ai envie de te couper, mais. Pourtant, Fury, il devrait déboucher la situation. Aujourd'hui. En première mi-temps, pas en seconde. En seconde, je suis d'accord. Mais en première mi-temps, on est d'accord. Ça se fait pas comme ça. D'accord? Ça se fait pas comme c'est ça. Compliqué, quand même. Mais là, aujourd'hui, j'ai trouvé du mieux. En défense, j'ai trouvé du mieux. Alors, c'est Giardot qui a pris la relève. Non, mais pourquoi? Parce que tu as des mecs comme Waipoulou. Waipoulou.
qui ont fait leur boulot, il a pris le ballon, il a été énorme, il a gêné, il a pris le ballon. Le problème de Vaïpoulou, il n'est pas régulier, c'est exactement ça. Et Jelon a retrouvé sa place. C'est dommage parce qu'il a une qualité. Jelon a retrouvé la place qu'il aime. Après, aujourd'hui, sur ce match comme ça, je préfère Vaïpoulou que Toulou. Ah, mais là, Toulou, même, il est mieux. Même, voilà. Même qu'Anthony, Anthony, il est mieux. Anthony, la grande différence, la grande différence, c'est que Vaïpoulou, avec la chance de la Coupe du Monde, il a passé son temps à défendre. Donc il est prêt, lui. Non, mais c'est vrai. Il faut pas rigoler. Il faut pas rigoler parce que dans le jeu et dans sa façon de faire, le mec qui l'attaque ou qui défend, il est sur la même ligne. Dans le principe de défense que veut mettre Ricciardo, ça, c'est une vraie différence. Voilà, c'est sûr, on est d'accord. Il a fait ça, je pense que là, lui, il est prêt, il s'est entraîné, il n'y a pas de souci. Après, la grande chance qu'on ait pu voir aujourd'hui, c'est enfin de revoir Jelonche à son poste. Ouais, voilà. Exactement. Et là, j'ai été content pour lui parce que ça me faisait, on va le dire, mais chier depuis plusieurs semaines de devoir dire que Jelonche est beaucoup moins agréable à voir en 8, voire inexistant. Mais ça aussi, ça joue dans les têtes. Bien sûr. Ça aussi, ça joue dans les têtes. Quand tu joues pas à ton poste, tout en sachant que sur le retour, c'est quand même qui va sauter aussi de cet endroit-là. C'est-à-dire que quand il sait que Vaïpoulou revient, je pense que dans Jelonche, sa tête elle est très claire. Mmh. Il se retrouve avec un Girondeau qui enchaîne les prestations de haut vol. Ouais, c'est vrai. Il se retrouve à lui être beaucoup moins bon parce qu'il est sur un poste qu'il ne maîtrise pas. Ouais. On parle même pas d'envie, hein. on parle de maîtrise vraiment complète du poste. Mais c'était pas numéro 8, et pas du coup, il se retrouve quand même dans une situation où il sait que Vaïpoulou revient et qu'est-ce qu'il va faire? Girondeau reste à ce niveau-là. Franchement, sur la troisième ligne, le seul qui peut être discutable, c'était lui. Mais malheureusement, avec le retour de Vaïpoulou, c'est pas pour le condamner lui et dire après, que c'est lui, c'est pas ça. Après, il a pas fait le match de l'année ce soir. Hein. Qui pour Anthony? Qui Anthony Jelon. Il a pas été... Ouais, après, il a beaucoup de coups. Il a mouillé le maillot. Il est quand même... Avec de la porte, il claque. Il a mouillé le maillot parce qu'il pleuvait. Voilà. Après, c'est sûr que... Non, il a mouillé le maillot, là, il y a rien à dire. Lui et de la porte, c'est les mecs qui découpent, quoi. Les mecs en troisième ligne, ils sont là, quoi. Vaïpoulou, il est là. Il a une sacrée troisième ligne. Et bizarrement, donc en première période, on a vu quand même, justement, là, les deux zigotos, là, en train d'aller gratter des ballons et des ballons. Ah oui, ils y mettent les mains. Je mettrais pas les mains, moi. Sanctionné. Ouais. Injustement. Alors, c'est pas injustement, je pense. Injustement, que... mais des fois, le problème, c'est qu'on a un excès de. D'engagement. Ouais. Un excès d'engagement parce que tu te mets pas forcément. Mais tu te mets à la faute parce que tu essayes de venir gratter un petit peu sur le côté ou. Tu vois. Et des choses. Et notamment, tu prends des pénalités sur des actions comme ça. Enfin, que tu prennes une pénalité quand tu es en train de défendre et que tu es 40 mètres de ta ligne, que tu prends une pénalité parce que tu viens mettre les mains pour essayer de récupérer le ballon, plutôt que prendre une pénalité sur une erreur défensive, moi ça me porte peine. Après dans l'ensemble, ça me porte peine. Dans l'ensemble et de ce que j'ai vu, c'est un des seuls matchs que je suis content de pouvoir débriefer, vraiment. Oui. Parce qu'il y a y a quand même des choses positives. En première mi-temps, bien sûr. Même sur la ligne défensive, le gros problème, c'est que par exemple, en premier défenseur, et là on le voit, bah, par exemple, Urza sur l'essai de Ribéry, ça part d'une erreur. Il y a trois joueurs sur le. Il y a du jeu, Il y a eu des actions, il y a du jeu, tu n'as pas compris. Pas tous en même temps. Aurélie, on laisse parler Aurélie pour une fois qu'elle intervient. Non, mais je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps. Quand t'es à 22 à 9, je suis désolée, t'as fait ta mi-temps. Quand tu reviens en deuxième mi-temps, que tu commences à prendre au fur et à mesure, là tu comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, mais comme disait Alexandre, pareil, c'est l'effet de jeu. Mais tu vas pas donner raison à Alexandre. Arrête. Oh, ça sort de ma tête. Attendez, écartez-vous un peu, la tête va nous gonfler. Je l'aime bien, lui. On a invité, lui. Tu fais 22 à 9 à la mi-temps. Il est reviens, c'est pas ton tu te fais pénaliser, tu vois, 9, 12, 15, mais derrière, la grande différence, 3 points, Brive, leur match. Ah mais ils l'ont joué. Ils ont joué jusqu'au bout. C'est une équipe qui est habituée à jouer le maintien et à se battre en jouant de finale chaque week-end. Les mecs, ils mouillent le maillot jusqu'au bout. Ils sont dans un état d'esprit qui est totalement différent du nôtre. Alors que Brive à l'extérieur jusqu'à présent. C'est ça.
C'était pas ça. Ah, mais d'ailleurs, voilà. On a même entendu, ça va être la première victoire. D'ailleurs, pour te dire, le mec de France Bleu s'est tellement emballé, il dit ça y est, première victoire de Brive à l'extérieur. Ah, mais si tu voyais la fin du match, la je sais pas match, si tu l'avais vu autant de temps. Non, on a juste entendu les tribunes de Pierre Fabre se vide. Ah oui, j'ai dit un peu tachycardie sévère. Ah, je peux te dire qu'au moment où le Brive marque l'essai, il y a beaucoup de gens qui sont descendus alors, des tribunes. On va dire, on va pouvoir informer quand même donc les 7000 personnes qui sont parties. Le casque olympique a gagné. Oui, voilà, parce que les pauvres, ils sont comme à voiture. Ils sont tous partis, ils pleuvaient. Mais ils n'écoutent pas 100%. Si, non, c'était France Bleu Occident. Après, ils l'ont vécu vraiment. Enfin, nous, on l'a vu hein, dès que ils sifflent la fin. Avant de revenir sur la vidéo, voilà. Là, il y a eu un ascenseur émotionnel sur la nation. C'est monté très très haut et pouf, tous les remplaçants. Pas tous en même temps. Le délégué qui est venu pour les faire ressortir. Après, ce qui est bien pour Brive, c'est que sur ce moment-là, au moins, ils ont fait leur décrassage. Bon, enfin, tout ça pour dire que, est-ce que ce soir, avec 10 changements au sein du Castres Olympique, vous êtes convaincu? Est-ce qu'on n'est pas un peu impatient? Bon, mais là, au bout d'un moment. Oui, mais. Là, on est à la 9e journée, les mecs. Il avait annoncé l'entrée, on est d'accord. On est d'accord qu'il avait annoncé l'entrée. Donc, qui c'est qui l'amène à l'impatience? La communication du Castres Olympique. Ah oui, le top 6. On veut finir dans les 6. C'est clairement dit. Mais on n'a pas dit les 6 premiers, on a peut-être dit les 6 derniers. Alors, top 6 c'est devant. Top 6 c'est devant. Non, mais ça s'appelle le top 14. Non, mais 15 jours après, il fallait faire la transition, les gars. Après, je ne veux pas jeter la pierre. Mais pas loin, pas loin. Après, Mauricio, il arrive avec une équipe qu'il ne connaît pas. Avec des joueurs qu'il ne veut pas forcément. Mais les joueurs, on les connaît. Il y avait quand même un entretien et ce qui se passait, il faut le savoir quand même que quand les entraîneurs sont mutés comme ça au milieu d'année, tous les mercredis pendant 3 ou 4 mois, ils ont pu venir rouler les os pour rencontrer les joueurs pour mettre en place. Est-ce que tu penses sincèrement que tout a été fait dans le dos de Mauricio ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et qui c'est qui a géré la transition ? Parce qu'il y a quand même eu un recrutement. Oui, il y a eu le recrutement, mais bon. Il arrive, c'est la première année. Par donc il n'a pas forcément tous les joueurs qu'il veut ou qu'il souhaite. Il est obligé de prendre des joueurs qui sont déjà en place, qui ont connu un certain... Il est avec Takara, voilà, ils sont en train de boire des bières. Un certain cadre avec Urios, qui ont été champions de France, il faut quand même le rappeler. Donc aussi, faire changer la mentalité de ces mecs-là, c'est peut-être aussi compliqué. C'est vrai. Après, vous avez votre avis, j'ai le mien. Après, c'est pas le même à la mais... Déjà, il y a peut-être un prix. Non, bien sûr. Mais après, les mecs, ce match à seconde mi-temps, il aurait été fou, il aurait gueulé. Il aurait pété un plomb. Moi, j'ai trouvé le calme. Moi, j'ai trouvé le calme olympien de Mauricio. Et là, je dis olympien parce que. Franchement, tu dirais quelque chose. Non, mais est-ce que Agen, il était. Est-ce que Agen, il était nerveux? Non, il a toujours été tranquille. Hein. Ben voilà. Ça fait mal au cœur de le voir comme ça. Parce que où tu le vois, qu'il est démuni, qu'il ne sait pas comment faire, en fait. C'est plus ça, je pense. Oui. C'est pas le fait qu'il y a du laxisme. C'est qu'il ne trouve pas la solution. Non, mais je suis pas en train de dire ça. Mais toi, tu dis ça. Est-ce que le staff est solidaire? Le premier est là. Déjà, est-ce que le staff non, est-ce que les joueurs sont solidaires? Est-ce que sont solidaires du staff aussi déjà? C'est pareil. Et pourquoi ils ne le seraient pas? Une équipe. Alors, justement, on va revenir. Une équipe, c'est avec le staff. La semaine dernière, certains d'entre vous ont assisté à un match entre joueurs. Voilà. Exactement. Et sans mentir, on sait très bien ça a été peut-être que ça a failli entre certains. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est résolu? Je ne suis pas sûr. Non, non, je pense alors pourquoi on arrive à ce genre de match où ils se fightent entre joueurs? Bah parce que c'est l'attention. Déjà, tu mets des joueurs en situation de match. C'est-à-dire que tu les préviens, tu leur dis, voilà, il faut revenir sur ce cas-là. Vendredi dernier, à Pierre Fabre, en fait, s'est tenu un entraînement qui était ouvert au public sous un superbe soleil. En plus, il faisait un temps magnifique. Donc, ils ont décidé d'opposer deux équipes. C'était dans l'optique de pouvoir décider l'équipe qui allait être alignée contre Brive. Donc, on les fait rentrer sur la pelouse. Fumigène, pétard dans une poubelle, on les met en condition de match, vraiment. Vraiment, avec un arbitre fédéral, qui est Yann Bailly, très très bon arbitre d'ailleurs, quand
qu'on espère. Ouais, qu'on voit dans le grand écran. Voilà, c'est lui qui nous indique les fautes et qui nous donne le détail de ce qui se passe sur les pénalités, qui est l'arbitre du club et qui a arbitré donc avec ses assesseurs. Et sur ce match-là, on lui a demandé de venir et d'arbitrer en conditions réelles les deux équipes. C'est-à-dire que tu as deux équipes qui s'opposent et on leur dit, voilà, aujourd'hui on est en match, gagnez ce match. Sachant que ce n'est pas les joueurs qui se choisissent entre eux. On est d'accord, hein, c'est le staff qui a tout fait. Ouais. Alors, on a vu une action sur un côté entre Rado et Rory qui a fait un petit peu parler, mais voilà, on ne va pas s'en cacher, c'est vrai. Il y a eu un véritable accrochage entre les deux parce que Rory, il était en condition de match. Hein, donc, je veux dire, quand déjà, il insupporte les... Tu poses le cerveau et alors... Voilà, mais voilà, il est dans le rôle de déstabiliser les autres, de faire les choses, voilà. Derrière... Il se passe ce qui se passe, on a une vraie opposition et les joueurs sont dans leur rôle et je pense que ça a été un peu trop loin et qu'on s'est rendu compte que si on organise déjà ce type de match-là, sur cette trêve-là, c'est qu'il y a un problème. Oui, on les met face à des responsabilités. Après, t'as 3 semaines d'arrêt, les joueurs, c'est long aussi. 3 semaines d'arrêt, mais si t'as des joueurs qui se blessent, tu fais comment? Sur un match comme ça, si tu dis que c'est une condition réelle, c'est ça. Tu as un mauvais placage, tu tombes mal à blesser. Exactement. Après, même à l'entraînement, tu peux avoir. Non, mais bien sûr. Mais t'as pas autant d'intensité. Non, mais t'as pas autant d'intensité. Il n'y a pas des. Christophe Sanson, la dernière fois sur la mise en place, il se blesse au dos, c'est pareil. Oui. Après, mais ça, que ce soit dans l'entraînement, on le sait. Mais là, sur des conditions réelles de match, Après, c'est bien. Je pense que ça les met dedans. Je pense que c'est un peu trop tard maintenant. Moi, je pense qu'il fallait rester sur les belles Olympiades qu'a fait Christophe Furios. Bien sûr. On ne pouvait pas rester sur quelque chose qui était fait. Aujourd'hui, Mauricio, c'est pas dans son tempérament de pouvoir organiser ça. À Gensi, il a fait des Olympiades. Bien sûr. C'est sa patte. Il faut pas critiquer sa patte, tout simplement. Non. Moi, j'ai envie de prendre sa défense, là, sur le coup. Parce qu'on parle Urios. Tiens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais arrêtons de parler d'Urios. Arrêtons. En préparant l'émission, parce qu'on la prépare quand même. Non, mais Urios, c'est un comparatif. Voilà, c'est tout. Non, mais je pense que de toute façon. Mais on se cache derrière ça à chaque fois. C'est pas le même entraîneur. On regarde ce qui se passe derrière, mais on regarde pas ce qui doit se passer devant. On a pas dit c'est mais. Et pourquoi d'après toi? Parce que vu le résultat, les gens commencent à regarder. Si on commençait à regarder devant. Non, je sais pas, les supporters justement de Puissance Castres. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne regrettez pas? Allez, soyons sérieux là, pas de nombre de voix. Quand tu sors avec une... Silence. Moi, je vais juste dire quelque chose. Quand j'étais à la réunion de Ricciardo, la première. Les supporters, Les supporters? Les supporters, Après, j'ai pas trop compris. Moi, en soi. J'étais là plus, on va dire, en regardant. Non, mais. Sur l'éducateur qu'un entraîneur. Bien sûr. On nous a présenté des joueurs qui étaient faibles, moyens, forts. C'est un tableau avec rouge, orange, vert. Il y a des joueurs qui ont 30 ans et qui n'ont pas encore acquis des choses. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui, si ça c'est chaud. Non, mais Christophe, je sais pas si tu étais. Christophe, lui, c'est quand même, il t'expliquait, c'était par exemple le nombre de blessés, pourquoi t'avais des blessés, et parce que tu as mis. Sur telle action, pourquoi tu sais pas où t'allais. Oui, après, moi, en soi, j'ai toujours dit, j'ai préféré cette réunion avec Mauricio qu'avec Urios. Avec Mauricio, j'ai trouvé complet. Chaque joueur présenté. Tu vois, le nom du joueur avec, tu sais, un peu tableau à l'école, si c'est acquis, pas acquis, c'était complet. Après, c'est compliqué, c'est quand tu vois les joueurs. D'aller voir un joueur, tu vas voir un joueur qui a 32 ans, 33 ans, tu dis, toi, c'est pas acquis. Travaille ça maintenant. Et comme il nous a dit, le problème, c'est que tu l'apprends à quelqu'un de 19, 20 ans. Mais quand tu acquiers quelque chose, tu l'as pas. Ah, mais une fois que tu l'as acquis, c'est pas à vie. Mais bon, c'est quelque chose sur quelque chose que tu dois travailler. À ce niveau-là, si c'est acquis, c'est acquis toute l'année. Acquis pas plat. Non, mais tu peux pas l'avoir acquis un mois et. Non, ça c'est vrai que sur. Mais après, sur ce côté-là, là où est rentré Mauricio et là où n'allait pas Christophe, c'est Christophe, il parlait de phase. Et de blocs. Et de blocs. On est d'accord, c'est ça. Il parlait de 4 matchs, de 5 matchs. On en restait là, on n'allait pas plus loin. Lui, il mettait en avant les joueurs qui étaient présents pour qu'on puisse interagir avec eux, poser des questions. Là, quand même, Mauricio, il est rentré dans un cadre professionnel qui, malheureusement, au niveau des supporters, nous, ce qu'on doit voir des joueurs, c'est peut-être pas comprendre leur capacité ou leur banc. Alors qu'on soit au courant. Nous, on n'était pas là pour.
savoir qui a qui, un plaquage, c'est un ruck, un gratté. Nous nous expliquer avec des instruments de musique. Oui, voilà. Alors chose. De toute façon, tiens, on en parlait justement des combinaisons aux partitions de grands auteurs. C'est ça. C'est quand même beaucoup plus beau Mozart à entendre que c'est vraiment joli. Il nous a montré des vidéos pour des coups de pied, du changement de rythme dans la course. Bah, changement de coup de pied, on en a eu à Zéro. Et voilà, on a vu ça. En seconde période, le nombre de ballons rendus, c'est pas possible. Merci. Merci Thomas. Des fois, on a l'impression du tennis. Le rodage, j'avais l'impression qu'il était dans l'avion, il était en train de faire un hôtel à l'hôtesse. Il a un très bon petit sur le coup de gueule. En fait, on a du coup de gueule depuis le début de la course. Non, mais c'est sur le dernier, ça a rendu. Non, après. Moi je pense que si on y arrive sur cette cohésion d'équipe, après c'est quand même enrichissant de savoir que l'entraîneur arrive à pouvoir expliquer les choses et aller aussi profond des joueurs. Mais je pense que nous, ce qui nous plaisait avec Curieux, c'est ce qui nous plaira avec Reggiardo, c'est qu'en fait on n'est pas là pour regarder le joueur, mais pour que le joueur fasse briller l'équipe et qu'on parle de l'équipe. Ça c'est beaucoup plus intéressant. Moi, ce que j'ai. On ne peut pas comparer la méthode de Durios et la méthode de Maurice. Mais c'est pas du tout. Pas du tout, parce que si tu regardes Christophe, Christophe il est parti à Bordeaux. Et il a refait son Mais bien sûr, mais. Dans les villes, mais Aouyonnax, il a quand même fait des choses aussi à Bordeaux, qui ne fait peut-être pas à Castres, voilà, d'emmener ses joueurs à la ville. Non, mais Aouyonnax, il a fait la même chose. Mais c'est quelque chose C'est quand même plus facile pour Urios d'arriver à Bordeaux que de Reggiardo d'arriver à Castres. Non, parce que là, le problème, ah bon? Comment? C'est moins loin. Pourquoi? Alors, tiens, dis-moi ce qu'a fait sur les 5 dernières années. Non, mais attends, Urios, il prend une nouvelle équipe. Non, mais. Et Reggiardo prend une nouvelle équipe. T'as pas la même pression. Mais t'as pas de pression, t'as du réserve. Et attends, l'entraîneur, il est pas champion de France, il est pas ceci, mais il a pas cela. Tu passes quand même derrière Urios qui termine une saison en catastrophe, qui te laisse les joueurs avec un moral. En catastrophe, il a failli être dans le top 6, dans le dernier carré quand même. C'est pas catastrophe quand même. Est-ce que justement, il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé là à ce moment-là? Mais pour les joueurs. Que les gens entendent ce que tu es en train de dire. Non, mais parce qu'il n'est pas venu à la grillade en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que cette cassure. Elle est déjà depuis longtemps, même avant Ricardo. Donc on est d'accord. Mais aujourd'hui, comme c'est Mauricio qui a les rênes et que c'est lui qui est à la. Eh ben il prend sur la gueule. Eh ben c'est tout. Eh ben voilà. Et, parce qu'il manque, il manque quelqu'un. Devant. Aujourd'hui, pour moi. Monsieur Revol, à partir de janvier, sera beaucoup plus disponible. Je crois qu'il prend sa retraite chez Pierre Favre. Je sais pas. Donc du coup, non mais, moi j'ai des infos. Si là, il n'y a pas du scoop quand même. C'est ce qui se dit. Non, mais c'est. Voilà. Il ne veut pas se garder les sous pour partir en vacances. Ouh, Kevin, il a sa tête dans le live. Décale-toi un petit peu, le pauvre. Ah, voilà. C'est mieux. Voilà. Hop, merci pour la porte. Il a amené les voisins, il a amené tout le monde. Voilà. Non, non. Ce qu'il faut voir aussi, voilà, c'est que sur cette hiérarchie-là, malheureusement, on a un Mathias qui est pour l'instant plutôt silencieux. On a un Revol qui est plutôt silencieux. Qui fait qu'il a un Mauricio qui essaye de communiquer. Silencieux officiellement. Parce que derrière, ça communique beaucoup, ça cherche beaucoup. Oui, Monsieur Revol, on l'a entendu. Qui gère le club au jour d'aujourd'hui? Qui c'est qui gère le club au jour d'aujourd'hui? Parce que là, on ne sait pas. Ah, pour moi, c'est Monsieur Revol, ça c'est sûr. On l'entend jamais. En numéro 1, c'est Monsieur Revol. En numéro 2, pour moi, c'est Mathias. Et en numéro 3, c'est Mauricio. Exactement. C'est vraiment l'impression que ça donne. Donc, Monsieur Revol, on l'entend jamais. Mathias, on l'entend jamais. Et Mauricio, il prend tout sur lui. Monsieur Revol, généralement, on l'entend quand ça va pas ou quand il y a un problème à régler. Mais explique-moi, qu'est-ce que c'est qu'il pourra apporter là? Là, à l'instant T, qu'est-ce qu'il sait? Oui, qu'est-ce qu'il va dire de plus? Il va prendre la parole, il va dire les derniers commentaires. À partir du moment où le problème, il est sportif déjà, dans un premier temps. Eh bien oui, mais le problème, il est sportif. Parce que quand t'as des résultats, là, tu peux commencer à parler. C'est quand même Revol qui a été chercher Reggiardo. Ouais. Donc Julien Vito qui réagit en direct, il dit vu notre niveau, les 4 matchs qui arrivent, on sera relégable après le match à Toulon. Il n'a pas tort.
Enfin, avant de penser à Toulon, le prochain match du top 14, c'est La Rochelle, il me semble. C'est ça, c'est le premier déplacement. Un déplacement à La Rochelle, parce que le challenge européen, on va pas en parler, ça sera pas cool. Si c'est réglé, ça va peut-être nous faire du bien. Alors, ça va nous faire du bien. Il faut le jouer. Ah bon ? De toute façon, ça va avoir un impact. De toute façon, ça prend un entraînement. Ouais, ça prend de l'entraînement. On a parlé de match. Là, déjà, la semaine prochaine, tu vas rencontrer de vraies équipes. Les Dragons of Bengal, c'est pas une équipe de Guindoul. C'est pas une Roumaine, c'est pas une équipe. Donc, brief, ce soir, c'était pas une vraie équipe. Alors. Et c'est pas ça que je t'explique. C'est toi qui es en train de dire que la Coupe d'Europe, ça va être du pimpon. Non, du challenge, je sais pas. Non, mais challenge, c'est la Coupe d'Europe. Tu vas pas commencer à dire ça, mais on a gagné la Coupe d'Europe. C'est Coupe d'Europe. Ça sera des matchs officiels. Ça sera des matchs officiels qui vont nous permettre de mettre des choses en place. Et un jeudi, peut-être en plus, pendant un jeudi après-midi à 18h. Bon, on va arrêter même bientôt avec les matchs. On va faire concurrence à Perpignan le jeudi soir. Waouh, Mauricio, ça va pas changer parce qu'il jouait la challenge, tu vois, déjà. Déjà, ça, ça c'est fait. Ça, hein, c'est dit. Elle perd son fils. C'est pas trop compliqué, quand même. Non, mais après, la challenge, oui, après les dragons. Non, mais je pense qu'elle tombe au bon moment. Moi, je pense qu'elle tombe au bon moment. Moi, je pense, sincèrement, que le challenge tombe très bien. Au bon moment. Ah oui. Il tombe au bon moment. Ah, ça va faire du bien. Ouais, c'est surtout. Ouais, bah enfin, il faut s'inquiéter quand même, parce qu'après 3 semaines. Ouais, exactement. Si après, on dit que le challenge ça tombe bien, c'est juste ça que je regrette. Parce que je vous le dis, sur ces 3 semaines de vide, t'es pas bien à La Rochelle. Hein. Non mais attends, sur ces 3 semaines de vide, on nous a annoncé sur la première semaine du changement. Ouais. Sur la deuxième, le changement. Sur la troisième, quelque chose. Alors, Jacques Auclair de la Dépêche, on va citer la source. Il refait les mêmes articles en disant bon, alors tout continue. J'espère que la communication du CEO ne regarde pas parce qu'ils sont en train de se tirer une balle de la tête avec toi. Il faut le dire, pour moi, je te dis en 3 semaines ce qu'on nous a dit, il va y avoir des modifications, ça va les gars. C'est vraiment l'impression que ça a donné. Alors je t'avoue que sur la première mi-temps. Si, la communication il y en a eu. La première mi-temps, j'allais leur donner raison sans aller plus loin. On a eu beaucoup de noms qui sortent. J'allais vraiment leur donner raison parce que je trouve que ce qui avait été fait. Moi, qu'on arrive avec un entraîneur de la défense. Non, c'est trop tôt, à mon avis. Alors, mais tiens, comment ça, c'est trop tôt? C'est quand tu es dans 6 mois que tu vas t'en occuper de ta défense? Cet hiver, peut-être. Cet hiver, peut-être. Cet hiver, on prépare quand même, on prépare des émissions, donc on se pose des questions avec les bénévoles. C'est bien, on qui sont avec autour de la table là, de l'association Radio République TV. D'ailleurs, vous pouvez nous aider, hein, n'oubliez pas. Non, mais attends, on se pose des questions, mais moi je t'écoute pas, généralement. C'est pour ça, oui, de toute façon, c'est pour ça. Oui, mais t'as fait retirer ton casque. Le fameux casque. 100 mètres de portée, tu sais, pour ressembler à Télé Toubiz. Il veut s'en emmener de terrain. Je l'aurai, je l'aurai. 100 mètres, mais derrière un mur, il n'y aura pas de signal. Non, mais il y a quand même un problème, parce que si on va chercher un mec pour gérer la défense, on fait quoi de Monsieur Furet? Il va faire quoi, lui? C'est la seule question qui, ce soir, restera sans réponse. Il va faire quoi? Merci, Thomas. L'assurance. Excusez-moi, j'ai bientôt la 50. On attend le chèque, c'est 200 euros. Ça, c'est fait. Non, parce que le mec, il va faire quoi? Il va gérer quoi? Il va aller au West Club. Sérieux. Et quand je te disais qu'il fallait que tu parles, pas trop, en fait. Bon, allez. Ça fait 46 minutes quand même qu'on revient sur le match. On va passer à l'homme du match, si du moins il y en a un. Moi, c'est le soir, non? Allez, l'homme du match ce soir. Alors, pour moi. Hormis France Bleu Occitanie. Allez, 3 sponsors possibles. Encore une radio qui fait pas du direct, qui a pas un public quand même aussi nombreux. Ouais, on les applaudit. Bravo. Et en plus, l'apéro est gratos, c'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux. Chantal, ravi toi. T'inquiète Jacques. Jacques, ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Tout va bien. Non, bon, allez, l'homme du match. Alors, pour moi, il y a l'homme du match et le sauveur du match.
L'homme du match, c'est Christophe Sanson. Je trouve que dans l'intensité, et je ne vais pas revenir sur son âge parce que ça, ce serait trop simple. Est-ce que c'était son dernier match? Moi, je pense que non. Normalement, c'est logiquement les Jokers Coupe du Monde. C'est pas son dernier match. Hein. Il l'a annoncé. Pour nous, le dernier match, c'était celui. Il joue jusqu'à la fin de saison, hein, Sanson. On est bien d'accord. Ce qui n'est pas le cas de Benjamin Lafayre, et on reviendra peut-être dessus. On reviendra dessus après. On va pas mélanger. Donc pour moi, c'est Christophe Sanson. Après, c'est vrai qu'il y a le sauveur, donc c'est Julien Dubois. Et Sanson, j'ai eu du mal à le départager avec Veipou. Merci. Je trouve que sincèrement, on avait une colonne vertébrale qui n'était pas trop mal. Je parle de Marc-Antoine Rallier, grand talonneur, et qu'il faut quand même souligner les performances à chaque fois qu'il puisse jouer. Et Toulouse qui mène 24-0 contre Clermont. Eh bien, c'est bien. Eh bien, ça continue. Donc sur la colonne vertébrale, quand même, t'étais pas mal en deuxième ligne. Même Jacquet a fait un bon retour. Sanson, Vaipoulou, c'est solide, c'est sérieux. Voilà. Si je dois en choisir un des deux, j'ai choisi Sanson, et pour le sauveur, Julien Dumora, même s'il loupe ce drop, parce que. Et bon, il a pris sa responsabilité, c'est pas lui à le faire. Est-ce que c'est son rôle, par exemple? On va pas faire le difficile non plus. L'ascenseur émotionnel que tu viens de prendre dans la gueule. Alors, c'est les brivistes, tu te dis, putain, il y a les brivistes, ils ont gagné. Et puis là, au final, arbitrage vidéo, et poum, on te donne une pénalité à taper. On a un cul bordelouillé, mec. Après Castres-Montpellier, Castres-Brive. Il n'arrête pas avec son cul. On a un cul bordelouillé, quand même. Trois matchs. Le premier match contre Montpellier, on remercie Rodon qui a raté sa petite pénalité. Et le second, pareil. Et sa vie. Et la maison, le troisième aujourd'hui. À la maison, les mecs, on n'arrive pas à faire un match propre, quoi. C'est pas possible. Alors, voilà, là il y a le côté analyse, on analyse, et il y a le côté supporter. Oui. Alors, le côté supporter, là on est en train de parler, vraiment, moi la seule chose qui me satisfait, et même je me satisfais de peu, comme tout supporter, hein, on prend la victoire, mais sur ce qu'on est en train de parler par rapport à l'homme du match, il faut quand même mettre en situation des joueurs qui, dans une situation compliquée, essayent de faire la diff. Et tu vois, je trouve que l'attitude de Sanson, elle est bien plus qu'exemplaire à l'âge qu'il a et avec le vécu, parce que c'est quand même un mec qui a tout gagné avec Castres. Ouais. Il a gagné 2 titres de champion de France, il a fait une finale. Le mec, c'est pas à lui, on est d'accord, c'est pas à lui de dire. Dans son attitude sportive, c'est un mec qui attire à aller vers l'avant. Bien sûr, j'aurais pu en mettre un autre, et c'est Thomas Cambezou. Mais c'est même plus la peine d'en parler. Parce que tu vois, Thomas Cambezou, au moment où il a marqué son essai, parce qu'il est quand même magnifique, son essai. Quand il dit qu'on a du caractère à Castres, depuis sa déclaration, on l'a vu. Je vais même vous dire qu'une des seules images, merci France Bleu Occitanie, une des seules images qu'on ait pu voir, c'est celle où ils font l'en avant dans nos 10 mètres, qui tape après le petit ballon, tu sais, qui va en ballon mort, et qui nous rend le seul qui lève le point, c'est Thomas Cambezou. Mais pourtant. Alors qu'il reste 5 minutes. Pourquoi lui, il lève le bras. Pourquoi on n'a pas mis ce mec capitaine? C'est compliqué de le situer là. Et de toute façon, on n'est pas là-bas. Tu l'as mis à l'appui de Baptiste. Hein, on n'est pas là-bas. Et puis le leadership, ça ne s'apprend pas. C'est. Mais Cambezou, il a l'expérience. L'expérience ne fait pas de toi un leader. Ah ouais, mais quand même. Alors par exemple, Chris Mazoé était un leader de terrain. Par contre, en parole, personne ne le comprenait. Oui. C'est un leader de terrain. Cambezou, pour moi, il n'a pas besoin d'être capitaine pour se dire ce mec-là, on va le suivre. Hein. Moi, j'ai un mec dans mon équipe comme Cambezou. Bon, déjà, celui qui me prend dans son équipe, c'est qu'il n'a rien compris au rugby. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. À la limite, à la buvette, mais il n'a rien compris non plus. Donc, déjà, il ne reste pas beaucoup de postes. Il ne reste pas beaucoup de postes. Mais sincèrement, sur ce que tu vois, sur le mec qui avance comme il avance, et ce qu'il fait, non. Non, mais c'est sûr. Moi je suis désolé, mais l'homme du match peut-être c'est pas Wilfried non plus, parce qu'il a été écarté pendant plusieurs matchs et Wilfried, tout. Ce soir il revient, un essai. Alors, il a fait un très bon match par contre. On est bien d'accord. J'ai trouvé que quand on a pris la sauce, ça venait de son côté. Après, c'est mon point de vue parce que peut-être qu'on voit mal. Il a été bon quand même, mais il est un peu lourd, il a du mal à. Non, mais après, je pense qu'aussi Wilfried a eu le contre-coup. C'est quand même un joueur qui a été très très performant à un niveau qu'on n'attendait pas. On va peut-être se parler franchement. C'est un mec qui arrive de fédéral et on ne s'attendait pas à ce qu'il ait ce niveau assez rapidement. Urios a réussi à le transcender, parce qu'on va parler vraiment le transcender, à faire de lui un joueur cadre en très très peu de temps. Et le début de saison a été beaucoup plus compliqué pour lui. Ouais.
un petit pépin physique, il est moins bien dans sa préparation. Il a eu un bébé aussi. Oui. Ouais, bon, y a tout qui rentre en compte de la vie d'un, d'un joueur professionnel. Là, le mec, il arrive de fédéral. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, il vient droit. Ah, le mec, il arrive de fédéral. Bon, ben, il arrive maintenant, ça va, il a quand même les poumons propres. Ouais, non, mais heureusement, parce que voilà. Sinon, il était pas bien. Comme quoi, on a quand même de la qualité en France. Mais ça, c'est un autre débat, mais on a quand même de la qualité en France. On va quand même recruter des mecs. Mais dis France. Fédéral, on prend les deux. Oui. Mais non, mais il faut le dire. Ben, quoi. Mais alors, est-ce qu'à un moment, ce recrutement peut. On sait très bien qu'on a une chance sur 10 de trouver une pépite. Ouais, mais c'est ça les intérêts, c'est bien, ça soit ça ou les espoirs, c'est pareil quoi. Ah non, non, c'est pas pareil. Ah non, parce que t'as peut-être des espoirs, et t'as peut-être des joueurs. Par exemple, Fernandez, je suis désolé, mais on l'a toujours pas vu. On l'a toujours pas vu à Fernandez. Qu'est-ce qui se passe? Il est toujours le 24ème, le 25ème. Voilà, c'est ça, ouais. Ah bah, quand Rado. Enfin, non, oui. Mais les enfants. Là, il y en a beaucoup qui vont partir à la fin de l'année. Ben, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Avant de parler de la fin de l'année, parlons du moment. Hein, non, même du moment. Tu veux qu'on parle du moment? Par exemple, j'arrive pas à comprendre que sur la liste des joueurs qui partent, quel qu'il soit, c'est Zaza qui nous l'a envoyé. On a un petit peu étudié. Zaza, la spécialiste des articles du Casse Olympique. Non, mais au moins, on peut en parler. Parlons-en. On va empiéter sur l'homme du match. Juste pour en parler, après, on reviendra sur l'homme du match parce qu'on s'en souvient. Mais par exemple, il y a juste une chose. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, par exemple, Marc-Antoine Rallier ne soit pas le premier à qui on renouvelle son contrat? Mais est-ce qu'on voit les mêmes matchs? Est-ce qu'on est conscient? Là, attention, il y a un pavé dans la mare. Là. Ah non, Rallier, un gif talonneur, c'est existant. Talonneur. On a essayé de se pencher sur un mec de peau, il faut qu'on en parle. Quand t'as l'espo, Carosigny. Je ne voulais pas dire son nom, mais tu l'as dit bien. Oui. Et derrière, on a Marc Antoine Rallier, qui est quand même l'image depuis 2003. On lui a laissé trop peu de fois sa chance. Là, il arrive à prendre la place de numéro 1. Qu'attend-on? Et il est largement au-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'on attend? Mais c'est des mecs qui savent par où le casque olympique est passé, et c'est des mecs comme ça sur qui tu dois t'appuyer. Exactement. Au bout d'un moment, on ne lui fait pas confiance, le mec il va vouloir aller voir ailleurs. Non, mais il n'a plus le choix, c'est professionnel. Là, on lui a fait confiance aujourd'hui. Il va se dire, problème, c'est qu'il tire son épingle du jeu à chaque fois qu'il rentre. Merci. Et bah alors pourquoi on ne le prolonge pas? Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est peut-être pas Marc-Antoine qui ne veut pas prolonger aussi? Moi j'en suis certain. Moi je peux te dire qu'aujourd'hui, Marc-Antoine Rallier, dans tout ce qu'il a fait, dans sa reconversion, dans sa vie personnelle d'ailleurs même, on le félicite. Parce que sa femme attend un deuxième enfant. Bravo Marco, très bien. Bravo. Oh. Non. Mais il faut le dire, si le mec il se sent pas bien quelque part, il s'y intègre pas. Et il veut pas y rester. Là, il a tout fait pour rester ici et pour vivre ici. Il s'est même rapproché du quartier le plus sympa de Cass. Il est à l'Albin, qui voit tout. Non. Sincèrement, c'est quelqu'un qui aussi, et il faut le dire, parce que moi je l'ai vécu pour ma situation personnelle, c'est quelqu'un qui se tourne vers les gens, qui aide vraiment les associations, par exemple d'enfants malades, qui s'intègre auprès des jeunes, qui s'apprête autour des écoles, autour de ceux qui ont besoin. Il est toujours là. Ça, c'est clair. Et que je parle que quand un joueur représente ce qu'il vaut sur le terrain et en dehors, c'est quand même une des valeurs qu'on défend à Castres, non? Oui. Et c'est un mec qui mouille le maillot, quoi. Je vais On avait vu Sozaré, Fermain aussi. Hein. Sozaré qui s'est mis un petit peu en dedans parce qu'il a fait 2-3 prestations qui étaient beaucoup moins bonnes que ce qu'il a été. Par exemple, Kevin Firmin, qui pour moi, sur quelques mois, avait prouvé avec Christophe. Voilà, le problème, c'est qu'il enchaîne les pépins physiques, mais aussi le pauvre talent. Ça, c'est la marque. Ça, c'est la marque, parce que c'est un très très bon talonneur. Et un mec qui venait de prôner de aussi, et qui pourtant, tu le mets sur le terrain, c'est un torio. Ah oui, c'est une machine, c'est pareil. Non, ça c'est. Pas de chance. Après voilà, il y en a d'autres. Aujourd'hui, tu te retrouves avec autant de joueurs en fin de contrat. C'est ça, 4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur tes titulaires, si on est conscient de ce qui se passe, on va perdre 10 mecs sur la pelouse. 10 mecs, 15. Tout le sur la pelouse. Non, mais ouais, mais le problème, c'est que ça va faire mal. Et personne? Ça va faire mal. Toulouse? Ah ouais, mais ça va faire mal. Toulouse? Giroudot, est-ce que tu penses que Toulouse et Everson vont prendre? Paipoulou? Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Ça fait plus partie du projet. Non, je pense pas. Je pense qu'Everson, le pauvre, il est dans. De toute façon, on est dans une période de transition. C'est le Casse Olympique qui le dit. Je pense que donc, quoi qu'il arrive, c'est la jeunesse qui va rentrer. C'est pas... Ils vont pas recruter à l'extérieur parce qu'on sait très bien qu'il n'y a plus le budget. Ils sont sur un centre qui est de Perpignan. Gokaji, c'est pas signé. Le problème, c'est la transition. Comme tu dis, c'est pour remplacer. Attention, pas tous en même temps. On est peut-être à la fin de
tu n'annonces pas que tu seras dans les 6. Ah bah ça, ça fait des années qu'on annonce des joueurs avant même de commencer la saison. Non, mais c'est pas ce problème-là. Sur une année de transition, on s'est loupé entre l'objectif et la transition. On s'est loupé. Alors justement, à propos de joueurs qui s'en vont, on parle de Benjamin Lapelle ce soir. Oui. Pour son dernier match. Moi, c'était mon coup de gueule. Voilà, alors, stop. Alors, on passe au coup de gueule. Allez, le coup de gueule, justement. Bah moi, mon coup de gueule... Voilà, que j'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais dire par rapport à la fin du match. Alors, la transition, elle est faite, Putain, mais belle mange-merde. Ah, mais voilà. Pas de gros mots, c'est ça. Vaipou. Vaipou, oui. Parce que moi, tu parles de Sanson, mais Vaipoulou. Ah oui, oui, oui. À chaque fois. Et il a mis l'équipe dans le sens de la marche. Il a avancé. Il a gratté. Attends, tu peux remettre le jingle homme du match, s'il te plaît. Non, mais il a raison. On fait la transition. Sérieux, pour moi, Vaipoulou. Tu parles de Sanson, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais par contre, et t'as dit que tu pouvais les mettre à peu près. C'est ça. Et de toute façon, j'avais dit en début de Joli Gard Show. Que de toute façon, on ne pouvait pas vraiment trouver vraiment le mec pour dire allez, lui c'est l'homme du match. Ouais. Donc, Vaipoulou, il faut quand même. Il a mis l'équipe dans le sein de la main. Tu es revenu de la Coupe du Monde. Ah, mais Vaipoulou, c'est un numéro 8. Hein. Ouais. Tu vois de suite que c'est un numéro 8. Le mec, il est à son poste. Quoi. Si on les essaie, il est là, il injecte la balle. Voilà, maintenant, on passe au coup de gueule. Remets coup de gueule. On passe au. Remets-le. Ah, attendez, on repasse. Attention. 1, 2, 3. Avant le coup de gueule, moi j'ai l'homme de l'émission. Ah, c'est Alexandre Calamotte qui va nous montrer. Je suis mort de rire depuis le début de l'émission. Vas-y. Il va nous montrer l'espèce de gros truc que t'as au poignet qui s'appelle une montre. En fait, c'est pas une montre, c'est un Garmin GPS et tout pour le localiser. Vas-y, montre en direct. On va remercier nos partenaires pour la montre d'Alexandre Calamotte. Non, mais montre-la à l'image qu'on rigole. Montre-la. C'est pas une montre. Comment la tête, hein? Attends, j'ai juste entendu. Ah, il y a tous les mecs d'Ayotte qui t'attendent devant la voiture. C'est bien. Tu peux remontrer maintenant le reste, le portefeuille. Non. Bon, allez, coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est la sortie de Benjamin Lapeyre. La sortie, c'était son dernier match en tant que joker coupe du monde. Ou médical, comme tu veux. De toute façon, mais je suis déçu pour lui parce que, sincèrement, c'est un produit du cru quand même. Et c'est quelqu'un qui, pendant les quelques mois qu'il a été présent, bah, il s'est investi pour ce club. Il a prouvé que ce soit auprès de la ville, auprès des joueurs, auprès du club, voilà. Moi, ça me fait vraiment chier pour lui parce que j'aurais aimé qu'il puisse rentrer. Mais attendez, on a vécu la même chose en 2013 avec la non-rentrée de Romain Tellet. Non, mais là, c'est un manque de respect pour lui. Sur ce match-là, je vais même te dire, pour moi, sans être méchant avec Paris, parce que c'est un choix que je dois faire et que Paris est là depuis le début et que il est dans la continuité, voilà. Mais Benjamin Lapeyre titulaire, t'es face à son ancien club. Souvent, ça psychologiquement, ça a transcendé en disant il y a une erreur, il faut pas oublier l'imbroglio autour de Benjamin Lapeyre qui avait décidé de relever en fait sa clause libératoire parce que Brive ne lui proposait pas quelque chose financièrement qui pouvait correspondre à son statut de joueur. Il ne faut pas oublier que ce n'était pas une volonté de lui de partir au début. C'est juste un arrangement. Il voulait rester à Brive et que ça ne s'était pas fait. Et je trouve que face à... C'est un des meilleurs joueurs à Brive. On est d'accord. C'était son ancien club et que voilà, il aurait fallu, au moins pour lui, au moins ce qu'il représente. Il ne faut pas oublier ce qu'a fait son papa et toutes ses générations. Sa maman qui s'est investie, speakerine du club, mais qui s'est investie auprès des catégories jeunes, qui faisait des déplacements avec eux, qui les a accompagnés, qui les a soignés. Et qui réagit souvent sur Facebook. Pour moi, c'est ce soir, ça ternit un peu plus l'image de ce côté club familial qu'on voulait défendre. Et juste, voilà, Benjamin, si tu nous regardes ou si tu nous entends, en tout cas, tu auras toujours ta place ici et nous, on est vraiment fiers de ce que tu as fait. Et qu'on invitera peut-être prochainement. Mais vraiment désolé pour lui que son dernier match sous les couleurs du casque olympique, ça se termine par un chat double. C'est tout. Ouais.
Mais non, mais c'est un manque de respect pour le joueur, c'est impossible. Même tu le fais rentrer 5 minutes. Ou alors tu le mets pas sur la feuille de match. Ou tu le mets pas sur la feuille de match. C'est un choix que tu fais. C'est un manque de respect total pour le joueur. Tu te dis, c'est un match important aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va te coûter de Paris s'il arrive de. À savoir qu'en plus, il peut être dessus. Ben oui. Mon dernier match, ma ville. Tu sens quand même que c'est sincère. C'est un manque de respect pour le joueur, totalement. Moi, je. Après, est-ce que la fin du match. C'était trop battu. La physionomie du match aurait pu permettre. Après, c'est pas un ailier qui va faire tomber la physionomie. C'est pour ça qu'on peut revenir sur ce que tu es en train de dire, sur le fait qu'il aurait dû peut-être rentrer titulaire. Il aurait dû rentrer titulaire, bien sûr. Après, avait-il le choix? Sincèrement, vis-à-vis de la physionomie du match, c'était un peu tendu. Est-ce que tu fais rentrer Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait pour toi un choc si on te dit Benjamin Lapeyre est titulaire? Non. Donc, on connaît les valeurs du joueur. Est-ce que le fait d'être un enfant du pays aussi, ça vous fait pas réagir comme ça, peut-être? Non. Mais alors justement, je vais même te dire. On connaît les comme Marc quand on a rallié. Non. Mais un enfant du pays. Bon, il est à la base. Rallié n'est pas. C'est un pays. C'est un adopté. Si, depuis quelques années. Depuis quelques années. Il vient de la. Ouais, parce qu'il vient du côté de la. Mais ce que je veux dire par rapport à lui, l'histoire elle se pose plus. C'est justement, c'est un enfant du pays. Déjà, un enfant du pays que tu fais signer à 33 ans chez toi, c'est que t'as un problème. On avait voulu le faire venir, mais on l'a jamais fait dans les bonnes conditions, on n'a jamais fait les bons choix. D'ailleurs, même on peut remonter, mais sur d'autres. Mais ça, c'est pas le débat de ce soir. Pour moi, voilà, justement, c'est aussi ce qui représente, Castres. C'est Benjamin Lapeyre. C'est Benjamin Lapeyre. Quand il a signé, on était tous contents de le voir venir. Moi, je trouve que ce soir, on ternit un petit peu l'image. Voilà, ça me fait chier pour moi. C'est le contexte, on le sait. Quoi qu'on dise, c'est un mec qui mouille le maillot, quoi. Lui, tout en sachant que le mec qui vient pour 3 mois, il le sait. Sur le terrain, il sait. Il a essayé de vouloir rester. Il était. Non, mais Sanson aussi, au départ, c'était pas pour finir la saison avec le Castres Olympique. Enfin, par exemple, t'es moins embêté au poste de 3 Carrel. Oui, t'es embêté au poste de 2ème ligne. D'accord. Quand tu vois que tu top 3, même le luxe de mettre Palis, qui normalement porte au poste de 15, et que tu le mets à l'aile, et que tu as Philippe Nakosi qui revient, que tu as Lavo, il fait les carreaux, non mais c'est pas le nom. Alors la même, c'est blessé hier. Oui, il s'est fait une entorse. Ah merde. Non mais je veux dire, je crois. Des ailiers, j'ai des vraies infos. On en a trop. J'ai des vraies infos. Du coup, si tu comptes maintenant, tu mettais Lavo Nakosi aux ailes. Oui, mais alors t'es pas sur la vidéo, hein. On peut mettre les meilleurs ailiers du monde, mais quand tu passes ton temps à défendre, le problème c'est que Dumora, tu es obligé de le mettre en guette parce que c'est l'homme de l'équipe de la saison. Depuis le début de la saison, il est régulier, il est tout le temps là, donc c'est impossible de t'en passer. T'es obligé de le mettre en guette parce que Reda entre à 10. D'ailleurs, et donc tu es obligé de se faire glisser Balis. D'ailleurs, on est encore dans le coup de gueule. Donc je vais parler du 10, puisqu'on parle de 10, est-ce que Dumora aurait pas été plus intéressant en 10 aujourd'hui sur ce match-là? Ah oui, en 10. Est-ce que c'était pas trop tôt? Tu mets Dumora, c'est juste rassuré. Tu mets Dumora en 10, Palis à l'arrière, en 10 on s'est dit. Pour se rassurer. Non mais on est sur le coup de gueule là. Est-ce que tu t'es rassuré ce soir? Allez, tu mets à l'arrière. Et la paire. C'est plus pour se rassurer. Alors justement, vous parlez de Urda Pileta qui faisait son retour ce soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Catastrophique. Sur la seconde. Tu joues trop au pied. Voilà, moi je le dis. Tu joues trop au pied. Non, mais il n'arrive pas à jouer au pied. Quelles ont été les consignes? Voilà. En première mi-temps, il a rendu 35 ballons. À seconde mi-temps, il a fait que rendre le ballon. En première mi-temps, il a joué. Vous parlez avec un mec qui n'a pas vu le match, qui a écouté sur France Bleu, un mec qui était pas réaliste. C'est bon, alors lui, je veux plus l'entendre. De toute façon, je n'écouterai plus le match à la radio. En première mi-temps, il a joué. On garde le ballon. Comment France Bleu Occitanie t'a sauvé ce soir? Il m'a sauvé, mais il m'a pas vraiment sauvé. Il t'a fait chaud. On tend la joue. Je le disais la dernière fois, à partir du moment où tu donnes le ballon à ton adversaire, comment veux-tu
gagner un match. C'est impossible. Surtout sur la fin de match. Tu donnes la joue tout le temps. Tout le temps. Surtout sur la fin de match. Ce ballon qui tourne complètement alors que t'as la navale pour toi. Mais tu prends l'essai derrière. Tu prends l'essai derrière. Oui, quoi. Mais bien sûr, tu peux pas. Le ballon qui rentre derrière, c'est vraiment bien joué, toi. Hein. On est dans le coup de gueule. Allez, on court. Non, par contre, je remarque quelque chose quand même. Zaza qui a toujours été pro CO depuis le début. Là, je vois que ce soir, elle est un peu déconfite. Mais non, parce que ça. Enfin, depuis le début, on n'arrêtait pas de nous dire ça va s'améliorer. Ça va, on fait des choses. On a changé des trucs. C'est pour se rassurer. Le problème, c'est que sur la première mi-temps, c'est vrai, on s'est enflammés tous. Oui. On était très contents à la maison. Un truc, c'est bon, le match de référence. Comme souvent. Comme souvent. Alors là, c'est peut-être un problème menstruel. Non, mais. Elle s'est dit, c'est un match référence, c'est bien parti, on a trois essais, on a le bonus offensif, on y est, ça joue et tout. Et en seconde mi-temps, on est rentré et je sais pas, ça a dilué, on est retombé dans nos travers, des ballons, on a joué n'importe comment, on ne jouait plus ensemble, on balançait des ballons à contre-temps, complètement à la D'ailleurs, il n'y en a qu'un seul qui était content, je ne dirai pas son nom, mais il est derrière la caméra. Voilà. Hashtag la hyène. Voilà. Et ce qui m'embête, c'est qu'on nous avait promis un entraîneur. Moi, j'étais persuadé qu'on aurait un entraîneur qui arriverait maintenant, justement, puisqu'on a les matchs de Coupe d'Europe, soi-disant de challenge européen, qui allait nous pouvoir nous faire la main pour les prochains matchs. Et c'est pas le cas. Donc, moi, je sais pas quand c'est qu'on aura un nouvel entraîneur qui va arriver, qui va améliorer tout le reste. Ça me fait plaisir. Voilà. Alors, justement, puissance 15, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que vous croyez sérieusement qu'un nouvel entraîneur va arriver? Ah oui. Après, c'est compliqué. Hein, Monsieur Mauricio, Mauricio va pouvoir te gérer. Tu viens d'Agen, tu joues le maintien là pendant 3 ans. Ouais, c'est ça. Est-ce que avoir un nouvel entraîneur, ça va être la solution aux Castres Olympiques ce soir? Un entraîneur de la défense. Attention, on ne va pas remplacer Mauricio. Depuis tout à l'heure, elle a quand même précisé. De la défense. C'est de défense. Exactement, j'ai jamais dit. Ne nous fais pas dire des choses que l'on n'a pas dit. Non, j'ai jamais dit qu'il fallait remplacer. Est-ce que la défense ce soir, malgré le résultat, il n'y a pas un mieux? Voilà, c'est ça. Il y a un mieux. Ah, on est d'accord. Il est d'accord avec moi, lui. C'est mieux. Il est en train de dire ce que j'ai dit. C'est mieux, mais tu prends deux essais. Excusez-moi, on va juste vérifier ce qui tombe dehors. Parce que pas tous en même temps. On laisse finir Zaza parce qu'elle est hashtag vénère. Donc on la laisse finir. Vous me dites qu'il y a du mieux en défense, mais on prend deux essais. On prend que des pénalités. D'habitude, on en prend plus. D'habitude, on en prend plus. Mais en première mi-temps, le nombre de fautes que tu fais, que tu prends des pénalités face au poteau. Excusez-moi. En seconde, tu prends deux essais et en seconde mi-temps, tu marques combien de points? 6 points. 6 points qui te font gagner le match. Et qui te font gagner le match. Ouais, mais non. Et sur la fin de match, tu l'as gagné. Mais non, mais. Voilà. Ces 6 points, ils sont importants, quand même. Heureusement, parce que l'autre, il appelle la vidéo, quoi. Sinon, on l'avait dans le cul. Hein. Enfin, il appelle la vidéo, justement aussi. Ouais. Voilà. Je veux dire que quand même, d'ailleurs, c'est pas inventé le placage. Je peux te dire qu'elle est plus difficile à passer, celle-là, en quoi? Le drop. Oui, mais que le drop. Ouais. Par contre, sur les plaquages à l'épaule, directement au cou, il n'y a pas de ouais, mais il y a carton. Par contre, j'ai envie de dire quand même devant la caméra que tout ce que vous voyez ce soir, c'est vraiment à l'image de la frustration des gens qui sont sortis du stade ce soir. Sincèrement, je peux dire qu'il y en a beaucoup qui disaient que le mérité de gagner. Bon, parlant de frustration, en fait, j'en ai vu quasiment 7000 sortir à 5000. Non, mais c'est vrai, tout le monde est parti. Le CO a gagné. D'ailleurs, les tokens sont trop chers. Les tokens sont trop chers. Voilà, tout. Non, mais les animations, c'est nul. Non, on ne doit pas vendre de saucisses de Toulouse au chapiteau. On ne doit pas vendre de saucisses de Toulouse au chapiteau. Pas tous en même temps. Le dernier, c'est la bière est dégueulasse. Faites quelque chose. Et nous. Et le riz au lait au dessert, c'est du monde. On n'en peut plus. Pour 5 euros. Pour 5 euros. Arrêtez, on va s'attirer les fous de tout le monde. Arrêtez. Le dernier essai que marque Brive, je peux te dire que tout le monde le sentait arriver. Mais ouais. Ah oui, je l'ai dit, moi le premier. Il non, toi marquer, tu le voulais, c'est pas non. Pareil. Voilà. Moi, on le disait, il va arriver, on va le prendre juste à la dernière et on ne pourra même pas avoir une pénalité derrière ou on drop. C'est ça. Après, il y a un commentaire là qui est quand même assez bon. Attends, vas-y. Non, que t'arrives à lire surtout. Non, mais ouais. Il est totalement fondé, ce commentaire. La deuxième mi-temps, c'est juste que le banc de Brive était bien meilleur que le nôtre. Non. Bah, ouais, parce que je trouve que c'est nous qui sommes descendus d'un ton. Hein. Parce que Brive, en première, deux commotions. Mm-hmm. MBC ouais. Avec un bras de charme, il est parti avec non, parce que Brive en seconde période, ils n'ont pas rendu de ballon. Ah non, ils les ont tous joués. Oui, mais après, ton banc, quand même, quand tu rentres, t'as un Jenneker qui rentre, t'as un Girondeau qui rentre. Tu les as trouvés bons, toi? Oui, tu fais. Oui, non, mais. Oh, 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 o
Je dis que le bagne il est moins bon que Brive, mais sur le papier. Non, c'est ce que monsieur dit. Voilà, regarde le qu'on a. Le bagne. Bon, c'est ta faute, monsieur. Max Solo. Jeliker. Michel Rondo. Max Solo, il a donné raison. C'est pour dire. Après, voilà, c'est Bénétis. Oui, de Bénétis. Et il a fait la guerre des étoiles aussi. Même Yann David. Même Yann David, il a ramassé. Après, en même temps, Yann David. On n'a pas de surprise à voir sur ce point. Non, mais on connaît. Il aurait dû être rentré plus tôt. Non, mais sur le papier, quand même, c'est ce que je meilleur. À la 50e, tu le fais en rire. C'est fini. Qu'est-ce que je veux dire que sur le papier, t'es meilleur que sans. Sur le papier. Sur ce qu'on a vu, Brive mérite sa seconde mi-temps, il mérite le match. Et même, je dirais. Alors donc, ça veut dire que Brive sur la deuxième, elle mérite son match, et nous, sur la première, on le mérite aussi. Voilà. Oui, mais sur la totalité du match, nous, on n'a pas le droit de faire le match qu'on fait. Ils ont joué. Et du coup, donc, Brive aurait gagné, ça n'aurait pas été volé. Est-ce que c'est pas un non-passion aussi, le ballon? Parce que c'est quand même bizarre. Nous, on avait l'impression depuis le début qu'on jouait 20 minutes par match. Non, mais Une mi-temps, soyez gentils. Non, mais déjà, une mi-temps, t'es gentil. Parce, parce qu'on passait déjà 10 minutes à faire de la vidéo. Voilà. On a eu des matchs où on s'est vu quand même aidé par l'arbitre, où d'avoir 3 essais refusés en vidéo. En parlant de vidéo, justement, on est un peu con quand même. Hein, parce que plusieurs fois, il faut. Ah, c'est pour ça qu'on même. Non, mais il faut quand même aller voir l'arbitre et dire regardez la vidéo parce que je suis sûr que. J'ai pas vu la vidéo. Sur les séries, je sais pas si. Un mètre devant la passe. Après, il a raison. Donc, mettre la pression sur l'arbitre pour regarder la vidéo, ça pourrait être utile. Rodri lui a mis la pression. Mais le mec, il a des strictes. Oui, après aujourd'hui. Ah, mais la vidéo c'est pas un outil. Et à contrario, sur l'action, où justement, au milieu, là, où il y a un en avant, où il siffle de suite, alors que s'il laissait l'action se dérouler. Ah, mais là, il doit non, mais s'il laissait l'action se dérouler, eh bien, il y avait peut-être un essai au bout. Et le match, il était plié. Donc, ça, il faut quand même le dire. Pourquoi il laisse pas terminer l'action? Tu laisses terminer l'action, tu reviens sur l'arbitrage. On revient à la vidéo, on s'en fout. Ouais, bon, on va pas refaire un débat sur l'arbitrage. Non, non, l'arbitre. On va pas parler d'arbitrage. C'est pas l'arbitre qui nous fait perdre le match. Ah, le lapsus. C'est pas l'arbitre qui nous fait perdre le match. Non, mais on a pas perdu, ça s'est arrêté. C'est pas l'arbitre qui nous fait perdre le match, c'est pas l'arbitre qui nous fait gagner le match. Sur la seconde mi-temps, moi je suis mal. Mais là, sur cette action, ça a été. On peut rire, on peut plus, on est mort de rire. On se disait la première mi-temps. On est en train de regarder. Benoît Pagé qui est en train de s'éteindre. Ah, Benoît Pagé, deux vieilles murs. Voilà, deux vieilles murs. Il a les lunettes. Non, parce qu'on n'a pas de club tardé ce soir, mais on a Benoît Pagé, deux vieilles murs. On pensait faire un match référence sur la première mi-temps, mais on a cru que le match référence contre le Stade français. Ouais, mais bon. Match référence, on en parlait, il n'y a pas de niveau. On aurait fait la deuxième mi-temps qu'il faut, et le match référence, il était là. Il était aujourd'hui. Pour moi, sur cette première mi-temps, tu fais les deux mêmes. Oui, non, il faut arrêter. Tu peux pas parler de match de référence face au 9e du classement. Il faut arrêter. Mais c'est pas une équipe chez eux, par exemple. C'est pas une équipe. Bordeaux, Clermont. Voilà, des matchs de référence auraient été face à Bordeaux. Face à Clermont. Mais est-ce que tu penses que dans la situation. Mais Brive quand même, sérieux. Tu veux un match référence? Eh bien, ça sera contre La Rochelle à la fin du mois. Là, ça sera un match référence. Ton match référence. Avec quoi? Tu peux pas faire un match référence à deux flancs. Si tu vas taper une équipe comme La Rochelle, pour moi, ça sera un match référence. Non, mais t'aurais fait un match référence, par exemple, contre le Stade français. T'aurais enchaîné au Stade Toulousain, même si tu perdais au Stade Toulousain. Mais avec un but, d'avoir joué, là, tu as le truc. Elle a raison. Il y a quelque chose de positif à retirer de ta défaite. Et dans chaque moment négatif, il y a quelque chose de positif à retirer. Même si t'aurais perdu au Stade Toulousain, t'aurais eu un but, t'aurais bougé, t'aurais eu plus, là, oui. On fait une première mi-temps de référence, oui. C'est tout à fait ça. Voilà, première mi-temps de référence. C'est ça. Il nous en manque plus qu'une. On disait les entames de match, mais là, on ne peut pas dire que l'entame de match n'a pas été bonne. On prend 3 points, mais après, on réagit bien. On a mis du temps. Non, on était quand on regardait, si ça écartait vraiment dans le côté droit, si ça écartait pas. Au stade, on les prend 4 fois. On les regardait, les mecs. Du côté droit, là, du côté briviste, ça passait comme du bon. Avant de passer à nos invités, dernier point. Le challenge européen, on y croit. Attends, il y a le fil rouge aussi. Oui, on va revenir sur le fil rouge, mais le challenge européen, est-ce qu'on y croit? Oui, on n'a rien à perdre. De toute façon, le challenge européen pour toi, c'est une remise en confiance.
Bah bien sûr. Faisons le tour. C'est la moyen de regagner de l'argent aussi. Hein. Toi, tu passes quoi? T'en passes quoi? Pour ce challenge. La charge, oui. Il faut le jouer. Il faut le jouer. Il faut le jouer. Ouais, mais non, il faut pas cramer les mecs. Hein, parce que non, il faut le jouer. Non, mais ça, non, mais hey, du coup, bravo. Bravo. Du coup, non, bravo, mais ça te permet de voir des joueurs. Vendredi dernier, voilà, vendredi dernier, tu fais un match ici. Franchement, le challenge européen. Tu peux les blesser 10 fois plus la semaine dernière. Franchement, le challenge européen, on envoie les espoirs. Non, il faut pas. D'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. En Sibérie pour un match à 20h. Sinon, tu te rends pas, tu passes pas à ta chérie. Tu iras à 18 ans, ça boit de la vodka. Pour la Sibérie, si je cherche du monde, si je cherche des supporters, je peux venir. Non, mais je suis sérieux quand même. Qu'est-ce qu'on va risquer avec l'équipe actuelle qu'on a et tout d'aller faire un challenge européen? La victoire attire la victoire. Allez, alors, c'est ça, bon. C'est le discours de vieux, ça. Mais ouais, non, mais ouais, ça, non, c'est, non, ça non, c'est le discours d'un mec aigri, ça. Voilà, c'est ça. Non, mais non, je suis et pas. Et si notre match référence. Mais non, mais arrêtons d'être mythos, là. Le challenge européen, ça sera pas un match référence, il faut arrêter. Mais on parle pas de match référence, on te dit que la victoire attire la victoire. Mais oui, passe par des séries positives pour rester positif, putain. Mais le niveau est plus relevé aujourd'hui. Alors, rappelle-nous les 3 prochains matchs du CO en challenge européen. Non, je ne pas. Alors, on va d'abord aux Dragons. Les Dragons, c'est un peu plus tard. Et après, on. On va en Sibérie. On va bien. On est bien d'accord. Donc, c'est en Sibérie qu'on va faire un match référence. Oui. Bon. Ah mais arrive, ouais. 23 degrés. Et en plus on y va. Non mais ça permettra. Radio Labi. La caméra, on y va. Radio Labi qui sort. Un homme un peu sur. Ouais, si Isabelle m'a appelé, il cherche un caméraman si tu veux d'ailleurs. Alors moi 25 degrés, on va y aller. Donc tu viens de saluer Isabelle, notre amie. On l'embrasse. Déjà, si tu nous regardes, s'il y a de la place dans l'avion, on veut bien venir. Voilà. Ah ouais, d'ailleurs, allez, partenaire. Parti comme c'est parti, c'est en bus qu'ils vont y aller. Hein, on fera un prix chez Ryanair. Non, mais on part avec des avions pour les. Ah, mais arrête de faire le classement de produits. Bon, c'est bon. On passe aux invités. Non, le fil rouge. Non, c'est vrai qu'en plus, encore cette fois, cette semaine, vous avez été presque 400 à voter. Donc on va y revenir. Pas de jingle, on y va. Ah, pas de jingle. Ben non, il n'y a pas de moyen, je suis désolé. Il n'y a pas de jingle, c'est en fait, non, à chaque émission, il dit pas de jingle, mais il ne l'a toujours pas fait. Quoi. Voilà. Mais non, il n'y a pas de moyen, je suis désolé. Il n'y a plus d'argent si vous chargez par. Alors attends, on va le faire. Jingle rouge. En fait, l'argent du jingle, il passe en apéro pour le public. Alors, c'est gentil. La personne qui a des lacets rouges. Et pour une fois que c'est le public. C'est Fabrice, c'est moi tout. Allez, alors on revient sur le fil rouge et la question. Ah, la fameuse question. La question co. La question co. Le retour des internationaux va-t-il permettre aux Castres olympiques de relever la tête? Sachant que c'est pas ça. Je vais dire la vérité, puisqu'on va, aller jusqu'au bout des. Du bout. En fait, allons-y, c'est y avait 4 bar. Possibilités, mais on va revenir que sur 2. Voilà. On va revenir sur les 2 qui ont fait débat en fait, entre l'équipe de bénévoles. La première, c'était donc, est-ce que la solution interne pour la défense était la meilleure solution pour le Castres olympique, ou, et c'était donc celle qu'on a posée, le retour des internationaux va-t-il permettre au Castres olympique de relever la tête? Sur ma droite, le clan des noms, qui voulait voter pour la première, et non, le reste du monde de l'autre côté. Allez, voilà. Et après, on dirait que c'est moi. Donc, moi, pourquoi, enfin, sur cette question-là, je m'attendais vraiment, vraiment, et on l'a eu avec Veipou. Avec Paris, on ne peut pas. Non, il y a que Urda qui est passé un petit peu, mais je pense qu'on a subi. C'était compliqué, c'était un match compliqué. Voilà, on va. Le seul qui a été bon, c'est Veipou. On a quand même 365 votes, et on va remercier. C'est ce qu'on dit quand même. On insiste aussi pour que les gens puissent voter, comme ça, ça nous permet aussi d'interagir et de pouvoir faire le point avec vous. Et donner 59% de oui, 41% de non. Ouais, bah là, je suis curieux de refaire le même sondage après le match ce soir. Hein. Je pense que ça va être 80-20. Est-ce que le retour des internationaux a porté ses fruits sur cette rencontre? Non. Absolument pas. Ah, la question, on va la modifier un petit peu. À part Vaipoulou, le seul cas, il y en a deux. Parce que même Paris, il n'est pas passé à côté de son match. Bon, il n'est pas passé à côté de son match. Il a mis un tampon à un moment donné. Ouais, première vitale, première vitale. Il m'a fait plaisir. Il a mis une carte de visite. Il a mis une carte de visite. Il a mis la feuille d'érable. Si vous voulez marquer son retour, le gars, c'est normal. Mais donc, il a joué à 2 sur 3.
C'est mieux que rien. T'as un numéro 10 quand même. Hein. 1,5 sur 3, les mecs. Non. Ouais. Numéro 10 quand même. Paris, il était encore à moitié dans l'avion. T'es sûr que c'est moi la hyène? Je crois que. Ah, mais en fait, je crois qu'il y a un problème avec le prénom Thomas. C'est le prénom Thomas en fait. Paris, il a pas fait grand chose. Il a avancé sur 3 ballons. Après, c'est un dédié. C'est pas son jeu. T'as pas 50 ballons. Il a eu beaucoup de ballons. Combien de ballons il a perdu? Parce que là, on a beaucoup joué devant. Non, voilà, ouais. C'est tout. Mais il a eu quelques ballons intéressants à jouer quand même. Non, il a jamais été en surnombre. C'est lui tout seul qui a été à chaque fois provoqué. Là, sur la première mi-temps, on les a vus. Ils sont allés sur leurs essais. Le problème de la boîte, c'est qu'il est fragile quand même. Oui, après, de toute façon, même sur l'essai de Palis, tu mets Palis à la place, c'est la même chose. Hein. Bien sûr, parce que l'essai de l'essai est fait. Parce que sur le côté droit, il y avait toujours de la place. Ah, il y aurait eu Palis à la place, c'était l'essai aussi. Et t'aurais mis la paire. C'était pareil, il y en a pas. Ça, c'était pas. Pour moi, c'est cadeau. Après, dès qu'on a mis un peu de vitesse, dans le jeu, on a été bon. J'écoute. Après, bon, on sait que Paris n'est pas à l'heure de vitesse. Hein, ah, mais tu parles. Non, tu non mais. Wesley, c'est son anniversaire. Ah, le gâteau. Le gâteau. Pour souffler la bougie. Le gâteau. C'est pas moi qui vais lui souffler. Non, après, c'est compliqué. Allez, ça part. Non, mais c'est vrai que dès qu'on a mis un peu de vitesse, on a été bon. Hein. Mais de toute façon, nous, en tant que spectateurs, on était sur le fil rouge. Ouais, on est jamais content. Ouais, on est peut-être pas content sur des prestations parce qu'on sait qu'ils peuvent faire mieux. Oui, et qu'on attend toujours plus de ceux qui nous ont montré, ils peuvent faire mieux. C'est ceux qu'on attend. T'es vraiment sûr de ça? Surtout quand t'as lancé ton. Est-ce que t'es vraiment sûr qu'actuellement le CO peut faire mieux? Mais on peut pas faire pire. Je pose la question. Mais vu la première période, on va mettre le feu à ton garage. On aime tous le castron à pic, mais. Mais regarde, franchement, vu le début de saison, est-ce qu'on pense qu'on peut faire mieux? Mais regarde, on a les joueurs. Regarde la première période de cette rencontre, je suis désolé. Si tu vois ça, eh ben. Hey, des bonnes premières mi-temps, c'est pas la première fois qu'on envoie des bonnes premières mi-temps. Il y a quand même une chose qui a été bien. On voit le réel niveau de Castres, la profondeur. Pas tous en même temps. La profondeur de banc chez Brive a fait la différence. Bien sûr. On n'a pas la même profondeur de banc. Et jusque-là, on est d'accord. Parce que les mecs qui pensent que Brive, c'est une équipe de Guindoul, parce que ça aussi, hein, c'est facile hein, de se voir gagner avec le bonus. Ah, mais qui a dit ça? Non, mais nous, on l'a pas dit. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Quand on vient se plaindre de notre victoire, quand même, au-delà de ça. Quand ils font rentrer leur banc, c'est ce qui fait la différence et qui nous impacte dur. Le problème, c'est que toi, tes premiers changements, tu les fais pas du tout dans le même tempo que l'a fait Brive. Brive, ils l'ont fait quand ils se sont rendu compte que là, ils subissaient et qu'ils pouvaient revenir. On peut en parler de leur entraîneur aussi, quand même. Oui, Davidson qui vient. Marc Dalmazo, elle est quand même. Voilà, mais quand tu regardes le staff de l'autre côté, c'est pas des rigolos, c'est pas des. Voilà, on est d'accord. Ils ont quand même le costaud quand même. Quand vous dites que le CO peut faire mieux. Vous voyez le CO à quelle place à la fin de la saison? Dans le ventre mou. 7 ou 10. Entre 7 et 10. Moi, je dans le ventre mou. 7 et 10. 7 et 10. Bon, pour le ventre mou, c'est pas vraiment optimiste quand même. Hein. Moi, le ventre mou, 10 et 11. 7 et 10. 7 et 10. Attention, il y a un pro. Attention, parce qu'on regarde les images, on reviendra à la fin de la saison. 7 et 10. Pour moi, 7 et 10. Ça, le stade français. Donc ce soir, c'est plié. Même pas de top 6 cette année, pas de fête, rien. Thomas, je te l'avais dit en début de saison. On était deux à le dire. On a voulu jouer. On a toujours voulu dire sur la communication qu'on voulait jouer le top 6. Mais je pense qu'il aurait valu mieux dire que c'était une année de transition et que l'année d'après, qu'on serait sur le top 6 l'année prochaine. Mais parce qu'on reconstruisait une équipe, qu'on allait refaire les joueurs. On n'a pas su faire la transition. On a voulu vendre des abonnements. Donc il faut dire qu'on est là dans le top 6. C'est normal, il faut gagner du business. Non, parce qu'aujourd'hui. Et vendre du riz au lait au dessert. Voilà, à 5 balles. Aujourd'hui, le CO a sa place dans le top 6. Ouais. C'est top 6. Là, parce qu'on a toujours été dans les. Dans mais les voilà. Le problème, ça fait combien d'années? Les mecs, en début de saison, ils vont pas dire non, on va se maintenir. Les mecs, ça va pas vendre des abonnements.
Attends, ah, il y a un déménagement au niveau du garage. Alors que Chantal prend une bière, elle fait tomber toute la bouteille. Elle a cassé le frigo et tout ce qui va avec. Moi je disais une année de transition parce qu'on était sur un système de jeu totalement différent des 8 dernières années. Parce que Laurent Labitte, Laurent Travers, c'était de la défense et après on attaquait. Il s'entraînait avec les joueurs, il faut le savoir. Là, un mec en défense, t'avais un mec. Ouais, ou alors tu aurais regardé Joël Labbé. Joël Labbé, ouais. Qui est parti au Yona, mais qui a eu une responsabilité au Yo. La grande différence qu'il y a entre Charrier et Joël Labbé, c'est qu'il y en a un des deux qui a pris une responsabilité qui aurait pu mettre en danger sa carrière. L'autre, il a suivi Urios. Oui, exactement. Mais Joël Labbé, c'était le spécialiste de la défense à Gasse. C'était quand même différent. Il a pris ses responsabilités. Et hier, ils ont gagné 28-3. Et Oyo, une sacrée défense. Mais c'était lui qui faisait toute la défense à Casse. Hein. C'était pas Christophe, c'était Joël. Ouais, c'est Joël. Donc, on l'oublie. Là, j'ai envie de vous poser la question. Donc, je vous écoute là, mais est-ce que vous pensez que c'est la défense qui vraiment va nous permettre de nous. C'était notre point fort l'année dernière. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? C'était notre point fort l'année dernière. Mais on n'a même pas fini dans le carré des 6. Oui, mais bon, ça c'est une question interne. Quand tu as 10 minutes, une équipe qui est chez toi et que tu prends pas un point, ça vaut plus le coup quand même que dans 6 minutes chez toi et prendre 6 pénalités. Combien d'essais en 9 journées? Voilà. Ah ben là, de toute façon, on était Mauricio, il veut garder le ballon. Il veut proposer du jeu. Alors pourquoi on voit Urda Pileta faire ça? Expliquez-moi. Il avait pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette émission elle est partie pour des heures et des heures. Non, mais cette semaine, il n'a pas eu le temps d'apprendre des consignes. Il les a appelés en japonais. Pourtant, ils sont argentins tous les deux, ils peuvent parler espagnol. Il faut quand même à dire, si tu rends le ballon, j'ai envie de me répéter, mais Combien de ballons il a rendu? Tu donnes le ballon pour défendre, comme ça, tu le fais à l'anglaise. Tu vas chercher les touches à l'angle comme ça là. Et là tu mets la pression dans la même direction. Occupation. Voilà. Et tu mets la pression sur l'adversaire. Occupation depuis 1945. L'occupation tu la mets pas quand tu tapes sur un joueur qui est dans les 22. Bien sûr. L'occupation tu la fais quand il y a un trou. Les mecs ils ont des relances faciles quoi avec des ballons. Mais à chaque fois ça tombait dans les mains d'un briviste. Bien sûr. Et moi si je répète depuis le début, quand on ne pas, on dit cocotte. Là il a raison, il faut commencer par ça. On fait le match. Non, parce que là, il y a raison, ça commence par des bras. Oui. C'est bien. Oui. Parce que nous, on n'en a pas eu. On a joué petit bras aujourd'hui. On n'a pas, en deuxième mi-temps, on doit les déstrancher en 10 minutes. Leur faire comprendre qu'on va marquer encore un essai ou deux. Oui. Bon, après, il y a quand même une décision arbitrale qui nous tue. Oui, non, mais, on va pas revenir sur ça. Mais déjà, ça m'a fait plaisir. On est allé chercher des touches alors que je pense qu'on avait la possibilité de marquer des points. On est allé chercher des essais. Et encore. Parce que quand tu fais, je crois, 6, quand tu as acheté 3 points pour scorer à 6, quand tu es en face des poteaux, quand tu as un moment fort, tu peux aller chercher la touche. Mais non, mais tu prenais pas de points. Au cas où, il y a beaucoup de choses à travailler. Ah oui, là c'est la défense, la touche, la mêlée. Ce soir on peut pas se réjouir de la défense. Personne s'est réjoui là. Je reviens sur ce que vous dites quoi. Il y a besoin d'un entraîneur pour la défense. Il y a des entraîneurs de la défense disponibles, faut arrêter. Tu vas aller chercher ou on fait dire. Tu vas les payer combien? Joe Worsley, c'est quand même intéressant pour moi. Non mais il y a deux solutions. Soit le premier et la deuxième.
Non, mais pourquoi il viendrait surtout? Non, mais Thomas, parce qu'il avec la Géorgie, il a moins gagné d'argent. Non, mais Thomas, il y a deux solutions. Attends, il y a deux solutions. Financièrement, tu peux avoir un entraîneur qui est plus cher que Mauricio. La seconde, c'est est-ce que Mauricio sera toujours là dans un mois? Bah oui, je pense que ça y est. Ça y est, c'est dit. Eh mais non, mais je le dis. Elle a raison, mais si Mauricio s'en va, est-ce que l'entraîneur. Tu crois que c'est Mauricio qui va partir ou qui va se faire virer? Si t'es relégable à Noël, moi, je pense qu'il y a un problème. Je pense sincèrement à Noël, si t'es relégable, que d'ailleurs, on va faire sauter au fur et à mesure, ce sera en dessous de Mauricio. Mauricio, ce sera dernier recours. Mais parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Janvier, décembre, on en parlera, mais pour moi, peut-être Furet partira un petit peu avant. Enfin voilà. Pour moi, c'est le premier boulon. Non, mais c'est ce que je dis, il y a deux solutions. Soit il y a deux trucs que tu peux pas, c'est parce que financièrement, tu peux pas te payer parce que l'autre, il va être plus cher que l'autre. Après, je dis pas que Mauricio sera viré, je dis pas ça. Je dis que est-ce que les autres entraîneurs se disent, vu la position de casse, est-ce que l'entraîneur va pas sauter puisque finalement, il n'y a pas de résultat et ça marche pas? Et tu te dis, pourquoi j'irai maintenant et est-ce que je vais pas y aller plus tard plutôt? Il y a tant que manager. S'ils ont des problèmes pour trouver un entraîneur pour la défense, ça va être peut-être un petit peu compliqué d'aller trouver un principal. Il a vraiment été disponible. Oui, c'est sûr, à mon avis, il n'y aura pas de soucis. Il a vraiment été disponible, mais il est apparemment trop cher. Bon, du coup, on passe aux invités maintenant. On clôture, merci. Place aux invités, on y va. Allez. Allez, place aux invités, Julien, avec sa famille ce soir. Il y a quand même 8 personnes sur ce plateau qui font pas partie de ma famille. Je suis quand même content de près ou de loin. C'est des cousins éloignés. Donc on va parler un petit peu avec vous de Prince-Cast. Tout d'abord, merci quand même de nous avoir rejoints ce soir. Après le match, c'était pas facile pour vous parce qu'il fallait ranger le matériel. Donc on va parler un petit peu ensemble de le rôle d'une association de supporters pour vous, en fait, ce que ça représente et à quel moment vous intervenez justement par rapport aux joueurs, par rapport à tout ça. Parlez pas tous en même temps. Non, nous, notre rôle à nous, c'est d'être ensemble, c'est ce côté familial en fait qu'on cherche dans les associations. Moi, j'ai repris cette année, c'est rare. C'est dur pour une femme de reprendre dans ce monde d'homme. Allez, merci Tia. Non, mais c'est vrai. On ne peut pas mentir. Et surtout, quand tu as le nom Jolie Gare. C'est pas facile. Hein. Voilà. Mais après, j'essaye de faire comme je peux et avec les moyens que j'ai. On est là pour. Et j'ai une équipe au top qui me suivent tout le temps, qui sont toujours là pour moi et qui sont toujours là pour. Si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà. Ok, donc ça c'est le côté papa, ça. Voilà. Direct lui, raquette. Si vous avez de l'argent, donnez-le nous. On mettra notre numéro de téléphone en commentaire. Voilà. Tu perds pas le nom. L'éducation, Non, après, on est plus sur le côté, comme je dis, famille, puisque nous, on est. Une grande famille, hein. Et surtout à fond. Un jour, la France aura Jolie Gare, c'est une promesse. Non, après, on suit le CO à 100%. Voilà. Quoi qu'il arrive, on sera toujours derrière eux. On en profite parce qu'il n'est pas là, Thomas Seguier, mais 100%, il ne veut pas l'entendre. Alors, votre rôle dans la Blue Army, du coup? Vous le savez pas non plus. Voilà, ça rigole, la première association, elle ne savait pas non plus. Hein. Ouais, non on a plus. Reçu Torcida quand même par équité. On recevra aussi les autres pour ceux qui veulent venir. Hein. On parle de Didierdi pour les amis du rugby et Michel Houchet pour l'amicale. Après, nous, on est là pour nous, on les suit, aider la Blue Army à avancer. Après, c'est quelque chose de très compliqué, je pense qu'ils le savent. On a voulu vraiment partir sur la Red Army, la Yellow Army. La Red Army. Pour les Munster. Oui, c'est vrai. Pour les Munster. Ah, ça va, ici connaît en rugby. Après le rouge, après la Red Army. Ici, retombé sur ses pieds. Là, papa aussi. Après, nous, notre rôle. L'avantage de la Blue Army, c'est les déplacements pas chers. Oui, mais pour nous.
Pour nous, nous, après, pour nous, toi, qu'est-ce qu'on fait dans l'association, dans la Blue Army. Après, c'est pas vous. Non, mais on est juste là pour se déplacer, en fait. On est un complément. Hein. Voilà. Vous avez tous la même réponse. Déjà, c'est un bon point, déjà. On est un complément. Après, le reste... C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est les déplacements. Après, heureusement que voilà, France, la Blue Army. On peut pas se plaindre. Là-dessus, en France, on doit être les seuls supporters à se déplacer autant. Exactement. Ouais. Et pour pas cher. Et pour pas cher. Enfin, à portée de tout le monde. Alors, puissance castre aujourd'hui, c'est combien d'abonnés? On est à adhérents, on est à 137, je crois. Et pour une 115 abonnés. Voilà. Abonnés en tribune. Qui ne sont pas. Voilà. Qui passent par la situation. 137, c'est nos adhérents à nous. Et c'est ça. Donc, une journée de match pour puissance castre, c'est quoi en fait? Et dans ça commence à. Ouais. Bah là, ça a commencé à 14h30. Enfin. On a commencé lundi pour préparer l'animation. En fait, on a commencé lundi, on a été reçu par la famille Boyer qui sont des bénévoles de chez nous. Voilà, tous les soirs, 17h, 21h, on était peindre. Et voilà aussi pour rendre un hommage quand même à Maëlle. Maëlle, on peut lui rendre hommage parce que c'était une des premières petites enfants malades. C'est pour ça qu'on a fait cette banderole aujourd'hui. Donc on déménageait sur Bordeaux, voilà, et on pense à eux parce que vraiment c'est des gens qu'on accompagnait et qui malheureusement se retrouvent dans une situation compliquée. Nous on leur a fait une banderole pour dire pour rendre hommage. On est avec eux quoi qu'il arrive, même si nous on ne connaît pas cette peine et ce qu'ils sont en train de vivre à l'heure actuelle. Mais le minimum, nous c'était de faire une banderole pour elle. Et on a vu sa maman sur notre site en nous disant que ça l'a touché énormément ce qu'on faisait. Pour nous, c'était normal. C'est ça, le rugby. C'est surtout ça. Notre but de notre association, c'est pour chaque naissance, chaque naissance, même pour un joueur, c'est une attache tétine avec un petit pyjama, un bavoir. Même pour un décès, un bouquet, une banderole, un hommage. On a connu une banderole ou deux Ouais, on a connu la même banderole. Ouais. Moi, elle était plus difficile. Non, mais voilà, après, c'est surtout qu'aujourd'hui, ce qu'on défend, c'est ça. C'est les valeurs humaines, en fait. C'est ça, c'est la famille, familiale. Arrêtez la famille. Vous êtes en train de dire que Puissance Castre, c'est une famille. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous sommes... Vous voyez, il y en a qui sont là, qui sont Puissance Castre, et c'est notre famille à nous. On n'a pas que le nom, je le garde. On a plusieurs familles et quand ils rentrent avec nous, eh ben, ils se disent en fait, ouais, on est pour en sortir, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. D'accord. On t'a là pour menace, on brûle. Je suis sur la table. Après, il y a le lien social qu'il faut défendre dans une assoce, comme on en a parlé avec Dorsila. Le lien social, c'est vraiment important dans les assos. C'est ça. Et on a différentes personnes. Ça veut dire qu'on n'est pas que dans une situation où il y a différentes personnes. On a des étudiants. On a des familles, on a des personnes âgées. Des mamies, des papis. On a des plus jeunes. Des jeunes de 5-6 ans qui partent avec nous en déplacement. Qu'on les fait chanter. Je veux dire, on est toujours à fond. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, quand ils disent qu'on fait chanter, on ne fait pas chanter financièrement. Alors, si on devait vous différencier des autres associations de supporters, vous direz quoi? Esprit familial. Voilà. Nous, on est vachement là-dessus et on se. Dans le respect. Nous, on le rend. En fait, nous, on explique trois choses, c'est-à-dire qu'on veut le respect, la cohésion et beaucoup de communication. Parce que c'est ce qui fait tourner une association. Donc, j'ai vu que sur votre page Facebook, vous êtes quoi? 5000 abonnés? 5000 abonnés, c'est comme ça? Voilà. Donc vous êtes plus important que puissance que les amis du rugby ou Torsilac. Ce qu'il faut savoir, c'est le travail aussi d'une personne qui est ici, qui était aussi présidente de Puissance Castre. Ah, revenons-en. Nous allons y revenir. Arrête, t'es au début avec lui. Est-ce que ce soir, vous annoncez que Julien Julliard n'est plus à Puissance Castre? Parce que j'entends dire encore aujourd'hui que c'est le cas. J'annonce à que Julien ne fait pas partie de Puissance Castre. Par contre, il est président d'honneur parce qu'on trouve que le travail qu'il a fait et tout ce qu'il s'est donné pour l'association... Il mérite au moins ce statut-là. Et qui est quand même le statut le plus haut de l'association. Voilà. Alors, je dissous tout le monde. Là, la melonite, on n'est pas loin. Ah,
Il faut être honnête. Si jamais il n'avait pas travaillé, je me suis vraiment détaché de ça. Mais j'ai d'autres choses à gérer beaucoup plus importantes. Radio Olympique. Alors justement, ça vous fait quoi d'avoir un président d'honneur qui travaille, enfin qui travaille, c'est un gros mot, à Radio Olympique TV? Moi je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un nouveau pas qu'il fait, et moi je suis fier de ce qu'il fait, donc quoi qu'il arrive, je moi aussi. Ils vont nous faire reverser la larme, Michel. C'est la sœur, on le sait. C'est normal. Non, mais il faut aussi avouer qu'il faut être honnête. Aujourd'hui, il a toujours été là, quand il faut, il remet le train sur les rails. Non, mais je veux dire, il est loin, mais si jamais il y a quelque chose il est là. Parce que quoi qu'il arrive, il sera toujours là avec nous. Et nous, on a la chance d'avoir ce côté famille, puisqu'on est une famille, nous, et plus la famille puissance 15. Parce que quand on parle de puissance 15, automatiquement. Nous, c'est surtout ça. On parle joli gars. Après, voilà, c'est pas toujours un nom de famille pas facile à porter. Bah non, la preuve, c'est pas, toujours simple. Hein. Nous, on a eu peur, et d'ailleurs, je suis vraiment surpris qu'on ait jamais eu un commentaire négatif. J'ai vraiment été surpris. Pas encore. Non, mais c'est vrai, pas encore, mais on en aura sûrement. Mais je trouve que c'est bien, parce que beaucoup font d'amalgame entre Joligar, Puissance 15, Radio Olympique, je pense que c'est... Bah déjà, quand on a su que c'était moi qui reprenais, c'était un peu compliqué. Il y en a eu des choses, mais après, ça, c'est des gens qui parlent, et ben, Moi, j'aime pas parler, tout le monde parle. Ils font, voilà, si un jour on voit des choses et que moi de l'extérieur je peux leur donner un conseil, je leur donne. Voilà. Un petit peu prononcé, mais je leur donne. Après, voilà, c'est. Bah, nous, cette semaine, ça a été lundi, vendredi, c'est ça, 17h, 21h. Minimum. Bon, et votre avis sur la Blue Army alors? On l'a déjà fait, celle-là, Thomas. Hormis les déplacements pas chers, qu'est-ce que vous en pensez? Inégalité. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a qui sont plus... On n'est pas tous sur le même. Et en fait, moi, ce que je leur ai expliqué à la Blue Army, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis rentrée et j'ai trouvé aucune égalité entre toutes les associations. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une association qui se sort plus que de l'autre. À l'heure d'aujourd'hui, on est les trois mêmes. Je veux dire, on doit avoir une égalité envers les trois. On doit avoir les mêmes choses, tous les trois. On va dire quatre. Il faut être égaux. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas égaux. Donc vous êtes en train de dire que la Blue Army ne traite pas toutes les associations au même niveau. Pas du tout. Pourtant, vous êtes l'association la plus représentative en termes d'abonnés. Peut-être pas. Moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a une qui est beaucoup plus importante que nous, mais après... Après, ils le savent. Ils le savent. Même le CO le sait. Et je pense qu'ils sont bien comme ça. Voilà. Je pense qu'ils ont eu... Ça leur va bien. Il y a eu des changements au niveau des déplacements. Il y a des glaçons, moi, glaciers. On récupère nos places au CO. Voilà, maintenant, j'ai demandé, moi, en tant que présidente, et l'égalité avec tout le monde. En 3 ans, ça c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Ouais. Mais sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai demandé qu'on puisse être sur un endroit neutre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle un endroit neutre? Un endroit qui n'est pas chez les uns ou chez les autres. Le Castre Olympique, pour moi. Donc le siège, c'était là où je devais récupérer. De toute façon, le siège de la Blue Army, il est au Castre Olympique. Voilà. Donc, on était pour ça. Le CO a très bien compris ce que je voulais dire. Donc là-dessus, nous ont soutenu de suite. Et c'est beaucoup d'inégalités aussi. Mais pas que sur les déplacements ou sur la gestion de déplacements, aussi dans les... Merci à Thomas d'avoir été faire pipi. C'est la Saint-Thomas, vous tirez la chasse à chaque fois ou vous sentez l'odeur un peu avant de pisser, ça va mieux. Bon, enfin, le Castre Olympique vous a écouté dernièrement? Oui, ben du coup ça fait 3 ans et juste pour avoir déplacé le dispatch des places. Ouais. C'est un début. Bah, alors dans 3 ans, on vous recevra pour savoir où vous en êtes. Après, ils sont vachement dans l'écoute cette année, je trouve qu'ils m'écoutent, qu'ils écoutent. Il vaut mieux qu'ils écoutent. Voilà. Parce qu'après, à tout moment, on peut quitter la Blue Army. Voilà. Ça, c'est... Nous, si on veut aujourd'hui quitter la Blue Army,
On sait tous que l'objectif de la Blue Army au départ c'était de regrouper toutes les associations et d'en faire qu'une. Que pour l'extérieur. Hein. On est bien d'accord. Mais pour les extérieurs. Que pour l'extérieur. Pour l'extérieur. Ça c'est sûr ça. Oui, c'était le but. C'était de faire la Yellow Army à Clermont. Voilà. Quand ils s'en vont à l'extérieur, je le dis avec Torcida, ils y vont tous habillés avec des habits de Clermont. Il n'y a pas de différence de coque. C'est vrai. Il n'y a que les drapeaux qui sont là avec leur coque. Mais ils sont là avec leurs maillots, leurs écharpes de Clermont. Et c'est ce qui fait la force. C'est quand tu vois qu'il y a un vrai président d'Interclub, par exemple, à Clermont. Oui. Il s'appelle Thierry Fraisse, que je connais très bien et qui est vraiment un mec super parce que vraiment il gère quand même 13 ou 14 associations à Clermont. Ouais. Hein. Ah oui, parce qu'ils sont plus dans les. On est à 4, mais là-bas il y en a beaucoup plus. Ouais, justement, il y a combien d'associations à Castres? 4. L'Amicale des supporters pour la plus ancienne, Puissance Castres pour la plus ancienne, les Amis du Rugby et Torcida Castra qui est arrivé en dernier. Voilà. Mais sur la gestion. Il y a un vrai référent. Là, aujourd'hui, à la Blue Army, ils ont mis Jean-Luc Vidal, mais il n'y a pas un vrai référent. Bah, le vrai référent, il y a Mathias qui arrive, il y a Lisa qui est au milieu, il y a tout le monde qui est au milieu, mais il n'y a personne. C'est compliqué, en fait. Je t'aime non plus. C'est ça. On te dit les choses. Oh, mais arrête de dire ça, Thomas. C'est dit. Après, à partir du moment où c'est constructif ce que vous dites. Ça discute pas. Là, moi, je dis la vérité, ce que je ressens, puisque c'est moi qui suis en pole position. Avec chaque président d'association. Voilà. Vous êtes vice-président de la Blue Army. Oui, en fait, chaque président est nommé directement vice-président de la Blue Army. Voilà. Bon, après, c'est pas ce qu'il a géré. Ouais, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le seul vice-président de la Blue Army qui a démissionné? C'est toi. Non. Ouais, c'est pas toi. Toi. Au bout de 10 jours. Comme ça, moi. Je savais où on allait. Tu rayes un melonite. Tu rayes un melonite sur moi. Tu rayes un melonite. Bon, alors, tout ça pour dire, en fait. Non, je rigole. Pourquoi rejoindre Puissance Casse pour ceux qui ne sont pas encore... on est un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas à dire venez que chez nous, d'accord. On a plusieurs associations, ils font ce qu'ils veulent les gens. Et nous, 3 associations. Non, mais voilà. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? La famille. Voilà. C'est ce côté familial. On a eu un... L'autre, il dit ça en servant un whisky normal derrière la caméra. Personne ne le voit. Après, je crois que je le remets. Il m'énerve, le gars. J'ai la bouteille en demi-heure. Et la bouteille est vide. On n'est pas obligé de tout dire en direct, le Julien, quand même. On laisse ta soeur réagir. On répond à la question. Dans le garage, il y a la loi Evian. La loi Evian. Evian rouge, Evian blanc. On laisse ta soeur. On laisse Aurélie. Répondre à la question. Non, après, je pense que c'est ce côté familial qui recherche, parce que nous, on a eu un cas où voilà, la personne est partie sur une autre association et elle est revenue chez nous. Parce que, voilà, on est comme ça, on est entier et on cache rien à personne. D'ailleurs, vous avez remarqué que chez les gars, on est vraiment entier. Hein. Je veux dire, on impose. Hein. On laisse personne sur le côté. Nous, chez nous, il n'y a pas une gamme de attention, on laisse personne sur le côté. Je tiens quand même encore une fois à mettre en avant Benoît Pagé. C'est la seule personne qu'on a oublié sur une aire d'autoroute. Avec le bus puissance qui dépasse. Ça n'arrive qu'à nous de faire demi-tour et de revenir chercher un mec. C'était lui, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu. Au milieu et demi. Moi, je pense que si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous et venez déjà nous tester parce qu'il y a une famille qui a testé aussi, qui sont 5. Venir au stade, ils ont testé. Après, même aller dans et après, ils sont le but. Voilà, c'est ils sont restés avec nous. Parce qu'ils ont vu qu'on est pas, on se prend pas la tête en fait. Après, si aujourd'hui on a 130 personnes, c'est que ça marche bien. Voilà. Après, on essaye de le respect. Enfin, on fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de problèmes même dans le stade, et nous même par rapport au sifflet, pour les buteurs, avec les tambours. Justement, quand on voit des images à la télé, souvent, on voit toujours Puissance Castres la majorité du temps. C'est dû à quoi? C'est la première personne qui dit ça. Bravo, la première personne qui dit ça. Non,
Peut-être pas cette année, mais les années précédentes. Non, les années précédentes. On est bien d'accord. Après, on essaye, nous de faire du visuel, nous de faire du... Aujourd'hui, apporter on a beaucoup des... de visuel. On vous a souvent vu lors de longs déplacements et tout, en direct, parce sur Canal. Bon, hein. Mais non, mais bon, on est bien d'accord. C'est pas toutes les associations qui font le déplacement lointain. La grande différence, c'est qu'avant la Vloirie, on était autonome. C'est-à-dire que comme on avait choisi le statut d'être autonome, on n'était ni avec l'amicale, ni avec les amis du rugby qui étaient plus ou moins liés, parce qu'il y a des liens qui se font. Nous, en fait, on partait, même si les autres ne partaient pas, on partait. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce qui a fait notre force à un moment, mais avec la Blue Army aujourd'hui, autant partir avec la Blue Army, tout le monde peut partir. Ouais. C'est encore mieux pour le club. Sans forcément être... Il y a des liens entre les amis du rugby et l'amicale. C'est ça. On est d'accord. La Blue Army, c'est neutre. Tu peux venir en tant que... Tu peux faire partie d'une association, mais c'est pas ça avec la Blue Army. Et c'est le principe. À la base, c'est pour pas rejeter les mecs qui font pas partie de l'association. Non, mais à la base, il y a quand même 95% des supporters qui ne sont pas adhérents. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah ben, je sais pas. Ça fait mal qu'ils partent partir avec la boule. T'as peut-être 500 personnes qui sont dans les associations. En 3 ou 4 associations. Et tout le reste, t'en fais quoi des 6700? Oui, c'est ça. Je parle des abonnés, on parle pas des... Oui, des sympathisants, on parle des abonnés qui sont là régulièrement sur... Voilà. Donc c'est normal, hein. Bon, après, là, on parle beaucoup de déplacements et de Blue Army, mais après, dans le stade, qu'est-ce qui vous... Dans ce qu'on disait là, justement, de vous démarquer, qu'est-ce que vous aimez faire, vous, quand vous êtes au stade? À part être à la buvette. On a arrêté. Ça coûte trop d'argent, la buvette. Non, mais je sais pas, on a vu que Torcida a organisé un petit graillou avant le match et compagnie. Voilà, bien sûr. Vous faites la même chose? Si, après, c'est là où je veux en venir. Bah, sur la semaine. On en profite pour les saluer, Torcida, quand même. On les embrasse. Ouais, 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 nous, on a été on peut même embrasser les amis du rugby et l'amicale, comme ça. Oui, on les attend, les amis du rugby, prochainement. Nous, en fait, cette semaine, comme on a travaillé, hier, on s'est fait un petit restaurant. Petit bowling. Oh putain, vous avez les moyens quand même, la puissance 15. Mais c'est chacun, c'est pas l'association, c'est chacun, en fait, on s'est dit, comme on a travaillé toute la semaine, on avait besoin de décompresser avant et tous se mettre ensemble et de boire un coup. Et voilà, et c'est ce qu'on a fait. Et voilà. Et je rappelle que la buvette d'alcool est dans le club. C'est bien, c'est ça. Ça suffit à minuit et demi, une heure. C'est la cohésion qui manque dans le club aujourd'hui. Et voilà. Aujourd'hui, le bowling, tu repars. Donc le bowling, c'était où? C'est City Fun. Alors, on va rentrer au parc là, tu sais, pour aller. Après, aujourd'hui, on est 15 bénévoles forts, c'est-à-dire qui participent. Tifo, banderole. Tu peux les citer si t'as des noms, vas-y. Hein. Oh tu peux les remercier. Le gros problème, c'est que si t'en es mis un, c'est moi. Alors, on va essayer. Allez, on y va. Il y a Cédric Galini qui est là. Nico Sicard qui est là. Il coûte cher en apéro, je préfère le dire. Michael, Michael, Magali Journet. Et tous ceux que t'as oublié. Ali, Ludovic. Ludovic Cabrol. Stéphanie Cousinier. Camille Boyer. Il en reste 121. Kevin. Xavier. Xavier. Sa femme Christelle. Kevin. Toi. Et moi. Il faut se congratuler, c'est bien. C'est bien. Sachant que. Ça fait trop, hein. Bon, des annonces à faire pour Puissance 15 prochainement, je sais pas. Des prochains déplacements, bon, pas pour le challenge européen, on sait bien. On voulait la Sibérie, mais bon, quand on a la Sibérie, prochain la Sibérie. Il est déjà recherché en France, il n'a pas qu'il veut la télé, lui. Il va s'arrêter en Roumanie. Bon, on avait travaillé sur un déplacement. À la Sibérie? Non, avant. Et d'ailleurs, c'était 3 jours de voiture, mais enfin, Sibérie, pourquoi je dis Sibérie? C'est Russie. Mais oui, mais tu m'arrêtes en Roumanie et tu pars à Sibérie. Le pays de Galles, c'est pas possible. Le problème de Kevin, c'est qu'il a regardé au début, ça fait 3 jours de voiture. Mais comme il n'a pas le permis, ça fait 122 jours en marche. En fait, on a travaillé pour la semaine prochaine, mais on était que deux à partir. Donc on s'est dit. Voilà, simple. Bon, pour dire comme ça, sans le voir, on partait la semaine prochaine. Entre 400 et 500 euros. Voilà. Ah ouais, quand même, c'est le prix. Hein. Location de voiture, avion, hôtel.
un peu d'amour, ouais, place de match. Ouais. Ça coûtera moins cher de regarder sur BI. Ouais, ouais, non, mais c'est dommage. C'est dommage. On a travaillé. La promotion d'un club. La promotion d'un club français. Pas tous en même temps. La Blue Army. Où est-ce qu'est le rôle de la Blue Army quand on doit aller à l'extérieur pour les Coupes d'Europe? Thomas, quand tu vois... La Blue Army pour le championnat, pas de problème. Ils auraient pu nous laisser une petite place. À la limite, on va jouer la Coupe de Fédéral. Là, il faut peut-être pas déconner non plus. Non, si, on aurait pris Trévise. Voilà. Encore ça, allez. On est l'envers. T'es pas loin. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai fait Trévise. Alors maintenant, on va faire les boules par rapport quand tu regardes kilomètre. Voilà. Quand tu regardes les alors nous, quand tu regardes les équipes anglaises, galloises, irlandaises, ils viennent à 500, 600, 700. Ouais, exactement. Et le club, les 16, ils ont des avantages. Après, ils se déplacent plus en challenge qu'en championnat. Oui, non, mais d'accord. Mais ils savent très bien où ils vont. Mais pour eux, ils ont plus. Ça se joue plus sur la Champions Cup que. Mais Kevin, ils savent. Ils ont le billet de l'avion, la place. Ils savent où ils vont à l'hôtel. Ils savent où ils sont les cafés. Ceux qui y ont visité. Ouais, ils peuvent plus cher en guerre. Après, ils ont c'est qu'on fasse des déplacements aussi extérieurs comme ça. Mais exactement. On a travaillé. Alors, c'est réservé qu'aux partenaires pour les stades. Parce que les partenaires partent avec eux. Mais ça serait bien qu'on puisse ouvrir aussi à des supporters. Il y a des supporters qui sont partis à côté. Mais parce qu'ils partent indépendamment des. Voilà. Il y a rien qui est proposé. La seule chose qui est proposée, c'est pour les partenaires à 1500 balles. Voilà. On partait à l'époque, justement, quand on se démarquait, comme elle le disait, on prenait 6 mois à l'avance des risques de prendre un avion qui n'allait peut-être pas être maintenu. On le payait 40 balles l'aller-retour. Il faut pas se voir. On a fait des sur Ryanair avec un sac à dos. C'est avec une petite compagnie aérienne. Mais vous n'allez pas me faire croire que l'avion des joueurs il est complet. Mais si, ils partent avec les supporters, avec les partenaires. Mais les partenaires ils sont. Non, mais les joueurs ils partent avec les partenaires. Les joueurs partent avec les partenaires. Est-ce que les supporters ne sont pas des partenaires du club? C'est notre débat. On ne peut pas faire un deuxième avion pour la Blue Army? Moi je suis sûr qu'il serait plein. Il serait plein l'avion. On peut te dire que les matchs. Bien sûr, bien sûr. 200-300 euros, à 200-300 euros, c'est pas 1500. Ouais, mais ça fait cher quand même. Mais si tu passes 2 jours, en Irlande, où tu viens organiser, tout est organisé. Un abonnement au CO à l'année, c'est combien? 135. Bon, si tu passes par une association. Bon, voilà. Sinon, en dehors d'association, c'est combien? 185. Alors, tu rajoutes les 300 euros à chaque match. Attends, t'as 6 000 SSL, si vous voulez faire. Pour moi, t'as pas les mêmes moyennes. Ça veut dire qu'il y a peut-être 10% qui peuvent se les payer. Ah, ça, on est d'accord. Et oui. Et pourquoi ils n'iraient pas? Bordeaux, ils partent pour 100 balles à Londres. C'est qui se le font, hein. Voilà. Les United BG. Justement. Moi j'aimerais, je vais te dire honnêtement toi, moi j'aimerais qu'on aille tous Après, c'est génial, le souci c'est que... Sauf qu'aujourd'hui tu as des gens qui sont au chômage, tu as des gens qui sont... Mais clairement, on regarde pas les gens qui ont envie de venir. Envoie-les en mode tour. Le Munster, il participe énormément à... Le Munster, en fait, c'est comme des aficionados en Espagne par rapport à des socios. Pardon, c'est limite des actionnaires du club. Limite, ils payent des supporters à rire. Comme tu disais... Chantal, la main devant la bouche. Nous aujourd'hui, à un peu plus d'une semaine du départ, l'émission est trop longue. C'est 150 euros l'année. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui. Hein. Oui. Mais pareil, si tu les prends 6 mois à l'avance, tu perds. Mais que le club entende de ça, ce serait bien que justement il y ait des déplacements. Bah, surtout que le tirage, on l'a eu cet été. Alors le problème du tirage, c'est que t'as la poule, mais les matchs sont distribués qu'au mois de septembre. Ouais, on n'a pas le calendrier. C'est un bordel. On n'a pas de budget pour chercher un mec, un entraîneur pour la défense. Alors les mecs, si on commence à avoir un budget pour les supporters, ça ne va pas arriver. Oui, parce qu'aujourd'hui, financièrement, la Blue Army très mal aussi. Ah oui, bah ça. Ah bon, On n'a pas des choses. Une info peut-être. Qui c'est qui Alors, qui c'est qui s'intéresse par rapport au déplacement, oui.
Oui, il y a des pertes d'argent, enfin, bien sûr. C'est, ah, bien sûr. C'est 2000, bah, 2000, de toute façon, 2000, à ce prix-là, de toute façon, il y a forcément des pertes. Hein. Ah bah oui, c'est, tu payes tes chauffeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sans la Blue Army, on partirait à La Rochelle à 60 euros le... Ah bah c'est sûr. Ah bah voilà. Et là, on part à 30 balles. Donc, pour ce donc là, vous partez à La Rochelle pour combien? Entre 25 et 30 euros. Ah, ça n'a pas été à La Rochelle pour ça. Et déjà, c'est un exploit. C'est un exploit pour un club. Pas tous en même temps. C'est un exploit de déplacer 60 personnes dans un stade qui joue à 97% à guichet fermé. Sachant c'est-à-dire que tous les abonnements qui nous sont pris, ouais. Il reste que quelques abonnements. Chérie, c'est une horreur. Sachant que là, déjà chez nous, on est à peu près une vingtaine à partir. Tout à l'heure, j'ai vu Didier, il en a à peu près une 35. Je sais que Torcida veut partir. Sachant qu'on Didier. Est-ce que vous avez vu le commentaire de Sophie qui a la mode qui marque t'inquiète, Thomas, vous êtes dans les temps. Bonsoir, Sophie. Est-ce que t'as vu, Sophie, que ton homme a la tête rouge ce soir? Ah, mais il fait chaud là! Il a chaud quoi! Entouré, là, il a deux fichiers, quoi, il a chaud! Non, il fait moins 10 dans le chillo, mais il a chaud! Il n'y a que lui qui est rouge! Bon, bref, donc pour La Rochelle. Nous, on est... ouais, je pense qu'ils vont essayer. En principe, il n'y aurait qu'un bus à partir. Après, tout fait. Mais on va pas en mettre en 3 en 4, voilà. On va pas entamer un deuxième si c'est. Ah bah c'est bien, un bus avec 3 associations de supporters, c'est bien, les mecs arrivent là-bas. Ah non, et bah non, tout le monde finit à la Rochelle. Hein. Nous, on part de l'optique que. Dans l'optique où c'est du respect maintenant, c'est. Il y a des familles qui veulent venir à La Rochelle. Moi, j'ai jamais été à La Rochelle, c'est un test pour moi. Il y a des jolis stades. Mais alors aujourd'hui, il faut aussi se mettre dans la tête qu'on n'est pas là pour battre. Et on y a de l'opposition. On est là pour le Castres-Olympique. Voilà un vrai message. Vrai. Non, mais on l'a dit depuis longtemps. Aujourd'hui, les gens ils croient que parce qu'on est trois associations, on va se taper dessus. Non, non, faut arrêter. Il y a des. Dans chaque association, il y a des personnes différentes. Voilà, il y a des tensions qui existent, c'est vrai. Il y a des tensions, oui. Mais après, il faut être intelligent et pas se prendre la tête. Il faut avancer comme on avance. À chaque déplacement, c'est un petit cortège pour aller vers le stade. Et on est tous ensemble. C'est le but de la Blormie. C'est le but de la Blormie. J'avais vu la Blormie à la fin, tu vois. Vas-y, redis-le une troisième fois et c'est moi, je le dis. Le but de la Blormie, c'est de réunir les trois. Non, mais c'est ça, et il faut arrêter. Enfin, non, pas que ça. C'est aussi rassembler. C'est de faire des déplacements. Ensemble, convivial. À bas prix, je sais pas. Oui, non, mais déjà, tu vois, c'est que tout le monde peut se déplacer pour 25 euros. Ah, ben oui, parce que tu vois, des places à 50 et 60 euros, c'est pas. Ah ouais, c'est abordable pour tout le monde. On est parti à Toulouse pour 20 euros. C'est abordable pour tout le monde. La place de match à Toulouse était à 20 euros. Ouais, imagine, et on est parti pour 20 euros. C'est fini. Tu as deux enfants, une famille, tu es à 4 ans. Tu pars à chaque fois. Ils ont 3 enfants, ça veut dire qu'ils payent 5 places. Donc si la place était à 50 euros, ils ne pourraient pas. Ils en feraient 1. Tu pars qu'à 2. Tu pars qu'à 2. Tes vacances. Ben d'ailleurs, tu pars au camping, le Cap Fun, tu vas pas plus en Chine. Mais attends, ça te revient plus cher que ton abonnement à l'année, quoi. Mais bien sûr, ouais. C'est clair. Il y en a quand même de la chance que la Blue Army existe, du coup. Bien sûr. La Blue Army, c'est géré par qui déjà? C'est Jean-Luc Vidal, le président. D'accord. Ok, c'est la première fois qu'on entend son nom. Qui est cette personne, on ne la connaît pas. Mais si, le roi. C'est quelqu'un de très gentil et quelqu'un de posé. J'ai eu la chance de le rencontrer. Non, on va pas faire une vanne, on n'est pas en Bretagne. Si, aussi avec l'aide de Mathias. Oui, il y a Mathias qui est en dessous. Bien sûr, de toute façon, on le sait. C'est lui qui a rien partout. Oui, il a fait venir ce projet ici. D'ailleurs, il ne vient pas recrutement, Mathias. Lui, il ne veut pas le lâcher. Moi, je serais vous virer, lui, parce qu'il va vous faire la baraque. On a besoin de plusieurs yens pendant l'émission. Non, mais c'est vrai, et après, nous, ce qu'on recherche, c'est juste ça. C'est partir à des déplacements. Un peu de motivation, un peu de... Donc, quoi qu'il arrive, même cette année, dans votre mou, vous continuerez à supporter le Castres. Oui, de toute façon, il n'y a que les ventres mous. Il y a un truc à dire, c'est quand même... La pénalité du Mora quand il la passe, on a quand même chanté po-po-lo-po-po-po. Comme si on avait gagné un bonus offensif. Mais on est. Non, mais nous, il y a une victoire. C'est vrai. Rivo aussi avait chanté. Refais-la, tu m'as chanté. Il est comme son père. J'étais le seul content ici. De toute façon, on est là pour le Hop, hop, hop.
Je disais, on est tous des amoureux. Non, Paul Hope, il n'a pas la pluie. Même s'ils sont dans le ventre mou, on est derrière eux. Alors, je vois des commentaires où on dit qu'on critique. Non, mais c'est normal qu'on critique. Sinon, qui c'est qui a triqueté mes mini non. Qu'on espère, c'est ce que je disais tout à l'heure, on espère toujours mieux. Sauf que si on est lâche, si on est lâche, je ne lâche pas. Non, mais c'est bien se mettre. Si on les lâche, pas tous en même temps. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi, j'irai à tous les déplacements, même s'ils perdent, j'irai les voir tout le temps. Pour moi, je dois y être tout le temps. Parce que pour c'est moi, après, c'est, après, c'est, après, c'est un effet populaire. Hein. Non, mais aujourd'hui, on a mieux le stade, 7000 personnes. Hein. Mais oui, voilà. Voilà. Et un match de Coupe d'Europe dans 15 jours. Ah, bah un match, un match à vendredi à 18h30, ou c'est pas ça, hein, quelque chose comme ça. Non, mais c'est vrai. Un jeudi, Le match, c'est samedi à 14h. Alors, justement, on va clôturer l'émission quand même, parce que ça fait 2h10. Pour finir, quand même, on remercie tous nos bénévoles. Voilà. On travaille toute cette semaine et bah, surtout nos parrains. Alors les parrains, on rappelle leur nom. Allô, il y a Rodrigo Caporta. Il y a Rodrigo Caporta, il y a Geoffrey Palisse, il y a Julien Dumora, il y a Christophe Sanson. Bon, il y a tout le trio. Kevin Firmin, il y a Mathieu Papillot, Wilfried Patin. Il y a la moitié du trio, quoi. Non, en fait, ils sont plusieurs. En fait, c'est le but. En fait, de pouvoir toujours avoir un parent qui représente. Un contrat pour Marco. Juste pour vous montrer, c'est parce que en fait, j'ai proposé un drapeau, ma fille a dessiné et ça nous. Et on a fait ça. Voilà, on a fait ça. C'est ce qu'on a déplié aujourd'hui en commune. Avec c'est tout le double mât. Tu veux te faire payer, toi? Le double mât, quand même, en hommage aussi à Mathis. Ouais. On a toujours un petit. Ah, justement, on salue. Alors, Mathis. On salue, justement. Mathis, c'est notre membre d'honneur aussi. Voilà. Et sa famille, c'est une famille. C'est les foutus supporters de Marseille, surtout, il faut le dire. Mais ça, c'est pas très grave. Non. C'est toujours un bleu et d'art. Et franchement, sa femme, elle sent le bon parfum, mais lui, il pue la défaite. Vas-y! Hey, Thierry, c'est pour nous! C'est pour toi, Didi, elle est cadeau! Non! Après, nous, pour finir, c'est. Si vous voulez nous rejoindre sur la page Facebook, vous avez tous nos coordonnées, adresse mail, site internet et numéro de téléphone. Notre siège est 16 places Pierre Fabre. Oh là là! Pour les adhésions, pour tout ça. Il y a les moyens. Et il y a la présidente, son numéro de téléphone. J'ai cru qu'il avait donné. Et n'hésitez pas. Bah ouais, je vais aller donner à l'antenne. C'est le 0822. C'est le 0822. Merde, le numéro surtaxé. Oh. Hey, 24h/24. Aurélie, 06 06 06 06 06. Après, si des personnes souhaitent venir voir juste en tribune dans le COP avec nous, ou des mises en place, ou pour ranger à la fin du match, ou des placements. Moi, je veux juste mettre un petit mot aussi pour mes bénévoles, pour aussi mon équipe à moi, qui gère énormément de choses avec moi. Donc, en trésorière, j'ai Christelle Bitaillon, qui est avec moi. En secrétaire, j'ai ma fille. En communication, bah, j'ai Kevin et Camille, qui gèrent très très bien les pages. Les signes, ouais, voilà. N'hésitez pas à liker la page. Sur, sur Instagram et Twitter, c'est Sébastien qui s'en occupe. Et après, bah, j'ai tous ceux qui s'occupent du matériel, Cédric. Les jeunes qui sont là, qui s'occupent avec nous au stade, qui sont toujours là derrière nous. Donc voilà, je voudrais remercier mon équipe et tous ceux qui travaillent avec nous. Surtout tous ceux qui ont bougé cette semaine. Voilà, et tous ceux qui ont passé longtemps, à ma semaine. À peine à genoux. Ouais, ça fait mal aux genoux, j'avoue. Allez, on clôture, je veux rappeler juste un truc, c'est que contrairement à ce qui a été annoncé cette semaine dans notre programme match de rugby du week-end, le match de Soal face à Caussade se jouera bien demain. C'était en prévision de diffusion sur Radio Olympique TV, mais ça ne se saura pas parce que
dans les derniers jours, il s'est dit que le match ne se ferait pas, et puis finalement, il est au dernier moment. Donc voilà. C'est, bon, tout ça, tout c'est une occasion ratée pour Radio Olympique TV de vous diffuser un bon match, mais bon, c'est comme ça. Le deuxième contre le troisième. Surtout. Mmh. Et donc, le jeu du Garcho revient la semaine prochaine pour du challenge européen. À partir de 10 ouais. 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 Donc, le match étant à 16h, heure locale. À 16h, heure française. Donc, le jeu du Garcho, on va dire 18h. C'est pour laisser les supporters le voilà. Temps rentrer. Voilà, manière de pouvoir. Non, surtout manière de pouvoir commencer l'apéro, surtout. Oh, oh c'est dit. Les bonnes paroles. Mazamé, un dernier mot avant de finir. Mazamé, c'est remporté demain aussi, par contre. Merci, Anto. La Bruyère est disponible demain. Ils vont gagner. Allez, mec. La Bruyère joue demain. On dit. Un petit coucou à Patrick Bourg. Après, remercier déjà le public d'être venu. Nombreux ce soir, ouais, bro, c'est la première fois. On ne les montre pas parce qu'il y a du bordel derrière. Mais j'ai juste envie de rajouter un petit truc quand même, parce qu'on a été quand même, on y est allé fort quand même aujourd'hui. Hein, je trouve fort de France. Non mais il faut le dire aussi. Hein. Mais on sera toujours derrière l'OCO. Mais oui, tout à fait. Même en pro des deux. On a l'esprit critique. On dit les choses ouvertement. On voulait juste faire une émission qui est totalement différente, et à savoir aussi que chaque personne qui nous regarde ressent les mêmes choses que nous. On rappelle surtout que le jeu Garcho, c'est l'émission du rugby du Castres Olympique et Comateur, mais concernant l'OCO, c'est sans langue de bois. Bien sûr, point barre. Après, il n'y a aucune animosité ou quoi que ce soit. Il faut quand même le préciser. Parce que j'ai vu des commentaires en disant vous êtes méchants, on était méchants. On va pas dire qu'on a fait le match de l'année, les mecs, et qu'on peut pas. Il faut rester lucide. Il faut rester lucide et dire les choses ouvertement. Et j'espère qu'il y aura des émissions où on pourra parler en mieux et où on serait, même nous et à notre place, on serait plus heureux de pouvoir dire que le CO a été exceptionnel et qu'on est heureux de la victoire plutôt que de dire qu'on est moins bon. C'est tout. C'est juste ça. Après, ça reste le mot de la fin, merci. Ça reste cet esprit-là. Merci en tout cas de nous suivre à chaque fois aussi nombreux. Merci de répondre au sondage en tout cas. Merci à Radio Olympique de nous avoir reçus. Voilà. Merci. De nous avoir merci reçus à tous aujourd'hui. De la table. Merci au public. Et donc, on se retrouve dans la prochaine émission.